Ouf. Plif plouf. Bon menu. Tac tac tac, attendez. Ouais. Je pense que c'est bon de toute façon. Ouais, je pense que c'est bon actuellement. Attendez 2 secondes. Normalement, le stream fonctionne bien. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ça fonctionne bien. Gestionnaire de stream. Tac, on partage. Je me suis fait chier à faire un dessin, donc autant le partager. Même si je sais que personne va regarder regarde de base mes streams. Ce qui est normal, je veux dire, c'est comme ça, c'est la vie. Yo, on part découvrir l'ail. L'ail, merde. Merde, l'ail. Off. Pi. merde, attends. Sans. Attends. Allons voir de. Ce que ce Souls-like a dans le ventre. J'ai perdu ma cam. Lol. Voilà. Donc du coup, je mets le dessin que je me suis fait chier à faire un peu. Ce qui me paraît évident, tu me diras. Normalement, c'est... Normalement, le... Oui, on voit. Oui, c'est bon, il y a le lien. Mes excuses, j'étais... Ça demande un petit temps de préparation, les streams, vous savez, voilà. Nier. Bon, bah, stream est bon, bah, je sais que je suis en stream. Pas la peine de me le dire, moi-même. Je le sais, moi-même. Merde. Ça va pas être facile, du coup. Attends, mais... Attendez, j'ai une petite idée en tête. Au pire, on va faire ça, et puis voilà. Le son est coupé, je vois tout, c'est parfait mon kiki. Bon, bonjour à tous et à tous, ici Hoyt, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau stream découvert cette fois-ci sur... pas Fuga Melody of Steel, non. Sur Pinocchio et ses mensonges. Et ben on va voir ce que ça a dans le ventre. Voilà, c'est aussi simple que ça, la musique c'est important. Privilégier les performances, oui évidemment. Hop, normalement tout est bon. C'est parti mon kiki. Pourquoi il y a... Ah merde. Pourquoi il y a les vibrations? J'aime pas. Pourquoi ils mettent toujours automatiquement les vibrations? Vous savez, on n'est pas obligé d'avoir constamment les putains de vibrations dans les manettes. C'est désagréable. Can you hear me? Vous m'entendez? Merde. Bonsoir Square. Bienvenue au stream, la marionnette de Gepetto. Aidez-nous. Comment ça va? Ça va très bien. J'ai pas retrouvé ma webcam, donc je me suis dit bon, on va faire un stream sans webcam pour une fois. Donc voilà, c'est pas bien grave, mais disons que le prochain stream il sera. Là, je me suis dit bon, flemme un petit peu, donc voilà quoi. Bonsoir, chat noir. Bonsoir, petit Pinocchio. Pinocchio, voilà. Ce que je trouve dommage avec ce Pinocchio, c'est qu'il est déjà humain. Moi, je dis, j'aurais préféré, tu vois, avoir un automate, mais véritablement un vrai automate, et qu'il y a l'évolution au fur et à mesure où il ressemble à un petit humain comme celui-là. Mais après, voilà, c'est peut-être expliqué dans le lore, qui sait, je ne sais pas. En tout cas, bienvenue à toutes et à tous pour cette découverte de ce nouveau Souls-like. Est-ce que vous pouvez me laisser faire mon introduction, je vous prie? La voix dans ma tête. Donc, c'est parti mon kiki, comment on fait pour courir? Eh oh, frère. Mais cours!
Par contre, attends, on va enlever les la vibration de la manette parce que ça a commencé déjà à m'énerver, ça. Merci. Le perso ressemble, voilà, Timothée Chalamet, ou c'est juste moi qui ai cette impression. Oui, oui, les deux se ressemblent, enfin, les deux ressemblent à Timothée Chalamet. Oui, effectivement, Timothée Chalamet aussi ressemble à Timothée Chalamet. Mais sinon, oui, c'est vrai. C'est vrai, il y a un petit côté comme ça. Par contre, ah, c'est la... What the fuck? D'accord, Sophia. Comment ça? Comment ça, Jiminy, c'est un... Attends, mais... N'ayez pas peur si vous perdez le crayon que vous guide. Attends, mais comment ça? Attends, faites voir. Attends, c'est une... Attends, je sais plus comment ça s'appelle. C'est une luciole? Ou je sais plus quoi? Ou alors c'est un robot luciole ou un truc du genre? C'est chelou. Toi aussi, tiens, t'en es volé la tête? Ouais. Allez, c'est parti, mon kiki. On peut courir. Bah... Allez, Timothée Chalamet, s'il te plaît. Plus vite. Oh. C'est quoi cette baril? Ah, je crois que là, on va pouvoir choisir notre arme, mais je pense que... Oh, bonjour. Mais les rues ne sont pas sûres. Près l'une de ces armes. Elle sera utile sur le chemin de l'hôtel. Alors, voix du criquet et l'équilibre. Voix du bâtard. Dextérité et vous du balayeur force. Je pense que sans mal dire que vous savez exactement ce que je veux, hein, évidemment. Ici, on est peut-être Timothée Chalamet, mais on est en. le build force Chalamet. Ouais, je pense que c'est un robot pour le coup. Ouais, c'est un automate. Encore quand t'entends ta voix, oui, effectivement. Ah, enfin, et on peut courir, alléluia. Donc attendez, comment on fait pour attaquer? D'accord. Ah, d'accord. Bon, pour l'instant, le jeu est beau, le jeu a une bonne ambiance. C'est parti. Le premier méchant. D'accord, donc ça c'est les attaques normales, attaques spéciales. D'accord. Ah, et d'accord, la jauge au-dessus des armes, en bas à gauche, droite, pardon. On voit son efficacité réduire, donc du coup il va falloir faire attention sur tout ça. Bonjour. Ouais, c'est ça baisse. Il y a de la durabilité. Mais normalement ça devrait pas être galère, je pense. Roue à Dancy, putain. Bon, ça doit être du stuff à la coup. Putain. J'entends pas. Il y a du bordel là pour le coup. Bonjour. Non, par contre, le... Waouh. Bioshock, littéralement. Non, par contre, c'est stylé. Pour le coup, là... Pour... Attends, quoi? Attendez. Attendez une seconde. Hé hey hey, quand... Hé hey. Non, non, hé hey. Alors, je sais que ça va vous paraître bizarre, mais pour moi, le plus gros problème que j'ai avec les Souls-like... C'est que ça manque de dynamisme, ça manque de quelque chose en fait dans la course à pied des personnages et tout. Chose que les Dark Souls, les Soulsborne et tout ont réussi parce que vous savez, ils ont de l'expérience et tout. Mais par exemple, quand vous voyez le dernier, quand il s'appelle le dernier Lord of the Fallen ou Lord of Fallen, je trouve que ça va pas. Je trouve que la course à pied du personnage ou la marche et tout, le déplacement du personnage n'est pas bon, c'est pas bien foutu et tout. Et je trouve ça. Enfin, je sais pas. C'est du chipotage pour le coup, mais voilà quoi, ça a son importance. Et là, putain, pour l'instant, y a de bons impacts et tout quoi. Let's go. Ouais, je passe gaffe quand même. Y a de très bons impacts. Ah, y a des roulades. Ah, bon, les roulades auraient mérité d'être meilleures, mais c'est pas bien grave. On va s'y faire. Ah! Let's go! On est dans un Souls-like, regardez, il y a des gros panards! Let's go! Ben voilà! C'est bon! L'Eye of Pi est définitivement le... un Souls-like, c'est bon! On y a le droit! Utilisez un accumulateur de pulsation pour restaurer vos PV. D'accord. Vous ne pouvez utiliser l'accumulateur qu'une certaine nombre de fois, une fois cette limite atteinte. D'accord.
D'accord, pas de soucis. Ok, ok. Bon, premier pied, c'est bon. On a de la qualité maintenant. Bon, même si pour l'instant, là, ça va. C'est pas non plus difficile. D'accord, ça, faudrait l'utiliser relativement. Ils sont déjà morts. Bon, bah, c'est parti. Wow, wow, wow. Mais merde! Mais quel con! J'ai utilisé mon attaque ultime. C'est pas bien grave. Merci. Vous pouvez bloquer les attaques ennemies avec votre garde. Si votre garde est réussie, les dégâts subis seront réduits au prix de votre endurance. Les dégâts réduits seront transférés dans votre regain de garde. Le regain de garde s'accumule, mais diminue progressivement au bout d'un certain temps. Si vous avez des ennemis, on va apprendre tout ça. Garde parfaite, oui, bah ça on le sait. Bah, attendez, on va essayer du coup. Il est où le méchant? Mais c'est de la merde sur le pistolet. Waouh, GG moi-même. Attendez, attendez. Wouah. Oh, je suis trop fier. Je suis trop fier de la parade parfaite là. Bon, après tu me diras, pour l'instant les ennemis n'ont pas non plus des mouvements giga compliqués. Ce n'est que de la piétaille. De la simple piétaille. C'est pas la bonne pose, monsieur le robot. Mais... Oh, waouh. Mais attends, mais comme... Mais frère. Alors, est-ce qu'on peut, on peut expliquer aux gars de l'Eye of Pi, là, les développeurs de l'Eye of Pi, qu'un fusil à double canon et scié, en plus de ça, ça ne fonctionne pas comme un pistolet. Le truc, c'est... En plus, c'est scié. C'est pas un fusil de chasse... classique, double canon, non, le truc il a été scié, donc du coup la portée du fusil à pompe ne dépasse même pas la porte, de là où il est le mec il tire, ça, c'est tout autour, à la limite il y a un pellet qui touche à l'intérieur de la porte, mais c'est tout, mais ça fera pas suffisamment de dégâts, bref, c'est le nid de piquage encore une fois, ça change pas avec moi, bonjour, c'est vraiment du Dark Souls-like, exactement, DG c'est magique, exactement, allez, allez, putain, heureusement que j'ai une bonne vision. Termite? Oh putain, non, 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 par contre c'est beau. Par contre ils sont même fait chier pour les chiottes hein, pour le coup. Hein. J'adore l'ambiance. Une très bonne ambiance dans les chiottes. Chiottes sur 20. Attends, faudrait que je cours aussi. Mais le TG c'est magique, ouais, c'est... C'est vrai. Oula! Bonjour. Ah, j'aurais pu le tuer, mais bon, c'est pas bien grave. On est des bourrins, on est de gros bourrins, donc faut pas hésiter. Allô? Attends, quoi? Ah! Enchanté. Ok. Titre. Ouais. Par... Et... Bonne ambiance. Ouais, mais y a quoi? C'est moi, il y avait de la lumière un peu chelou là. Ah non, d'accord, c'est l'orage. My bad. Note de passage. Voir les détails. Si vous trouvez cette lettre, sortez de la gare et fuyez. Et surtout, restez loin de la salle d'attente. J'y ai vu une énorme marionnette battre à mort des gens. D'accord. J'ai verrouillé la porte, mais j'ignore si cela va fonctionner. Au moins, cela vous devrait empêcher les gens d'entrer par hasard. Je vais bientôt mourir et je vais vous aider, même si je ne peux pas faire grand-chose. Survivez, je vous en prie, qui que vous soyez. Oui, je sais, mais moi, dans les jeux vidéo, et dans pas mal d'ambiance, dans pas mal de trucs, je suis quelqu'un qui panique pour tout et pour rien. Ah, merde, on peut pas. Donc, c'est normal. Mais évidemment qu'on va aller se le faire, lui, par contre. Hein. Ah, on peut pas l'attaquer. Bonjour. Ah d'accord, et donc le truc bleu, si je comprends bien, c'est les trucs de soins et c'est les trucs de compétences, j'ai l'impression. Ah, ou pas, je ne sais pas. Ergo is life. Oh putain, vive les machines de propagande. Hein. Enfin, les affiches de propagande. Ah, ils savent y faire. Hein, c'est très... Attends. Les articulations de la main, là, vous savez, le poignet, ouais, le poignet.
Ça me fait grave penser à ceux des animatroniques dans FNAF Sister... Non, pas Sister Location, dans FNAF Security Breach. Il me semble que les robots ont ce genre de trucs là comme ça, c'est cool. Voilà, c'est des petits détails à la con, mais... Donc attendez. C'est parti mon kick. Ah ouais. Appareil de verrouillage, il y a des portes et des gels partout dans Krat, qui sont verrouillés par des appareils. Vous pouvez déverrouiller ces portes ou descendre les échelles pour créer des raccourcis. Oui, bah les raccourcis. Merde. Merci. Ah. Mais actuellement, j'ai envie de voir si jamais je peux... Allez, vous avez confiance en moi. Mais oui, vous avez confiance en moi. Évidemment que je vais me le faire. Oh! Merde! Doucement. Ok, donc il va pas être facile. Ah! D'accord. Ouah! D'accord! Donc en gros, quand il est dans cet état-là, il faut charger les attaques pour lui faire le plus de dégâts possible. Graphique récurrente pour les robots. Ouais, après c'est une solution de facilité, donc c'est pas bien grave. Stupéfié, coup de grâce. Ah! Ok, d'accord. Merde. D'accord. Let's go. Bon d'accord, il n'était pas si dur que ça. Ça va. Alors attends, j'ai vu un truc de restauration. Comment ça? Comment ça? Non! Quel con! Non, attends, comment on fait? Durabilité, ah. Ah, oh, d'accord, c'est infini, ça par contre c'est cool. Instant tuto. Ouais, mais là, je pense qu'on l'a dit, on va vraiment avoir un vrai boss, et si jamais ça veut faire comme les Souls-like pour le coup. Oh, attends, c'est juste pour ça. On l'a dit, ça, c'est du stuff pour améliorer nos armes. Mais pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Je pense qu'il me... Il y a quelque chose. Je sens qu'il y a quelque chose dans ce Lie of Pi qui a l'air vraiment cool, pas. Ah, attends, mais je reconnais ça. Ah, et du coup, ça, c'est la clé, si je comprends bien. Yay! D'accord, bon, notre arme a disparu, mais on va rien dire. Allez, montrez-moi les plans comme ça, là. Waouh! Waouh! Ça, j'aime bien. Ça, j'aime... Oh là là! Alors, on n'est pas dans du plan à la Souls-like, enfin, à la Soulsborne et tout. C'est-à-dire des plans qui nous montrent absolument tout. Mais il y a du bon tizing, il y a du bon truc. On comprend ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire que c'est la merde totale. Attendez. Le mec en face, la statue, ça a l'air d'être de la merde, par contre, pour le coup. C'est-à-dire que ça a l'air d'être peut-être le méchant, peut-être qu'il a une importance. Il y a des lumières qui sont encore allumées, donc il y a encore de la vie. Et là-bas, là, le truc qui pointe, que mon arme pointe, là, c'est... Il y a quelque chose, c'est très important et c'est peut-être l'hôtel qu'on doit trouver. Bonjour. Et ça sera peut-être une place centrale du jeu. A voir, à voir. Ouais, quoi? Aïe, aïe, aïe. Il faut même des chiens dans les... Il y a même des chiens chiants dans Lie of Pi. Let's go. Et pour le coup, je vous avoue que de base, je voulais... J'étais pas forcément giga intéressé par Lie of Pi. Hein. Lie of Pi, ça me faisait pas vraiment de l'œil. Un peu quand même, mais pas tant que ça. Et c'est juste un pote qui m'avait montré un petit peu une vidéo de ce jeu. Qui expliquait un petit peu, grosso merdo, le jeu et
montrer à peu près ce qu'il y avait, un petit peu la moitié du jeu. Donc pas de gros spoil ou quoi que ce soit. Je me suis dit, ok, d'accord, donc j'y joue parce que ça m'intéresse trop. Il y a trop le potentiel, il y a trop de choses que j'aime bien, donc voilà. Un Stargazer pour restaurer la totalité des PV de l'endurance et pour recharger vos accumulateurs de pulsations. Vous ressuscitez très à cet endroit après votre mort. N'oubliez pas que le processus ressuscite également vos ennemis en plus de votre... Oui, comme un Souljike, je sais. On appelle ça un Stargazer. Un appareil merveilleux utilisé autrefois par les rôdeurs. Attention, la quantité de marionnettes dépasse le niveau de danger. Vous pouvez réduire la quantité de marionnettes. En état, nous ne sommes pas assez puissants pour vaincre les marionnettes. Mais je confère... Si je confère premièrement mon pouvoir à ce Stargazer, récupérez de l'ergo, ce Stargazer, d'accord. Mais la force du Stargazer ne dure pas éternellement, alors faites attention, dépêchez-vous de venir à l'hôtel Krat. Attendez 2 secondes. Oh, fragment d'ergo. Ah bah, let's go. Ça, c'est bien. Mais non! Mais attendez, je veux l'utiliser, Attendez. Sac supplémentaire, dernier recours. Je ne sais pas ce que c'est que dernier recours et j'ai pas envie d'utiliser. J'ai pas envie de faire de la merde. Donc on va utiliser notre ego. Merde. Ergo, pardon. C'est quoi des... Ergo, ça me dit quelque chose. Ergo, ça me dit quelque chose, mais je sais pas ce que c'est. Provoque la mort immédiate du personnage lors de son utilisation. Un appareil qui libère toute l'énergie de l'organe P. Meurt après l'utilisation. Hein? Oh merde, d'accord. Il y a un truc méta. Ergo, pour moi, Ergo, c'est, vous savez, c'est dans Batman. C'est, comment on appelle ça, c'est, vous savez, les ennemis Batman qui ont un masque de d'hibou. Bon. Stargazer. Alors. Tac, tac, tac. Bon. En vrai, ça devrait aller pour la santé, la vigueur. Ouais, la vigueur serait importante, je pense, pour le coup. Mobilité technique, progression. Je sais même pas ce que c'est. Mais ils nous disent même pas à quoi ça sert, Légion. C'est con. Capacité. Vitalité. Ah, et ça augmente les défenses. Ouais, vigueur. Ok. Capacité. Ouais, mais attends, c'est quoi? Ah, attends. Ah, d'accord, et technique, ça... Ah, si, technique, ça augmente quand même les attaques, d'accord. D'accord. Mais la vigueur est très importante, pour le coup. Faisons-nous plaisir. Parfait. Bon, ben, c'est parti. Bonjour, monsieur. Merde. Merde, putain, mais quel con. Parfait. Il y a de bonnes sensations. Ouais. Bonne sensation au niveau des attaques et tout, donc ça va. Je suis pas chiant là-dessus. Ouais, je pense que c'est un endroit assez important dans le jeu. On va le voir très souvent. Merde. On va que j'apprenne ça pour le coup. Mais ouais, pour l'instant, c'est un petit peu, comment dire, c'est un petit peu lent. Mais je débute, hein. De toute façon, les premiers streams sur Lie of P vont être lents, hein, et je prévois de le faire, donc évidemment qu'on va jouer à Lie of P pour les prochains streams. Autant profiter qu'il soit sur le Game Pass. L'art de fable. Les arts de fable de la lame, lors d'une garde utilisée... Ah. Les arts de fable changeront chaque lame et poignée d'armes. Les arts de fable utilisent les emplacements de fable et dit... Ouais, donc c'est les cendres de guerre, d'accord. Merde. Let's go. Et je l'ai tué en plus de ça. Loser, loser. Donc attendez, c'est par où qu'il faut aller? Quelque chose me dit que c'est par là. Je crois qu'il y a de la lumière là-bas. Et la lumière veut souvent dire où est-ce qu'il faut aller, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Bouger. Aïe aïe aïe. Merde. Non, il y a de très bonnes sensations pour le coup. De très bonnes sensations d'armes et ça c'est bien. De toute façon, pour ce genre de jeu là, il faut prendre le jeu comme ce qu'il est.
C'est-à-dire, faut pas le. Enfin, c'est bien de comparer avec les Souls, hein, y a pas de souci, mais il faut pas entrer dans le piège de constamment comparer. Enfin, pas forcément l'incomparable, mais voilà quoi. Faut prendre le jeu comme il est actuellement. Comme ce qu'il offre est, exactement. Pour moi, c'est ça quoi. C'est pour ça que souvent, quand vous jouez à un Soulsborne, prenez-le comme il est. Comme une expérience différente de tous ceux des autres. Pour Lie of P ou pour évidemment Lord of the Palen, deux, prenez-le comme des expériences différentes. Voilà. Pour arrêter de comparer, quoi. Bah, sauf si évidemment faut le comparer, mais après, voilà, ça prête à débat. Journal de Crate, numéro 183. La grande exposition, le Crate a été repoussée. Cette décision a été prise pour protéger les habitants en attendant que la frénésie des marionnettes qui a paralysé la ville soit maîtrisée. Cet incident a commencé dans la rue Rosa Isabel, faisant des centaines de blessés. Si on en croit cet incident, si l'on en ignore pas. Si on en ignore encore les causes, la quantité de blessés et l'ampleur des dégâts ne cesse de croître. Alors que la crise se prolonge, l'atelier et l'entreprise de Benini, la plus grande usine de marionnettes de Krat, a annoncé qu'elle allait fournir de matériel d'urgence aux citoyens et faire tout son possible pour aider à résoudre la situation. Un groupe de travail enquête sur la possibilité d'une perte irréversible du grand contrat, le protocole de contrôle des marionnettes de l'atelier. Mais il n'y a pas de solution miracle pour l'instant. Alors que la frénésie des marionnettes fait de plus en plus de victimes, la ville se prépare à une recrudescence de la pétrification. Ça fait beaucoup de lore. Et les habitants sont encouragés à rester chez eux par mesure de sécurité. Malgré cela, beaucoup tentent de fuir par la gare centrale de Krat, contribuant à empirer le chaos général. Donc ouais, on est... C'est un Souls-like, mais c'est un Souls-like qui se lit, quoi. C'est un Souls-like qui se raconte, j'ai l'impression. Il a des choses à dire, quoi. Il bave. Par contre, c'est plus meilleur en termes de mur invisible. Donc du coup, c'est bien ce que je me disais, c'est par là-bas. Merde. On va s'occuper du chien. Ah! Bousman. Merde! Mais j'alerte toute la place ou quoi? Merde! Ouais! Non, c'est mauvais ça! Oh! Mais putain, mais doucement! Si je veux le vendre 1.5, je dirais plus d'ambiance. Bah ouais, y a... Après voilà, c'est l'ambiance romantique un petit peu. Un petit peu ouais, steampunk et tout, un petit peu comme ça là. Enfin, actuellement ce que vous voyez quoi. Donc oui, évidemment qu'il y a pas mal d'inspiration vis-à-vis de... Oh! Le sang qui disparaît au fur et à mesure que la pluie passe, ça j'aime bien. Ça a l'air de rien avoir par là. Faisons attention quand même. Il y a rien par là. Mais sinon, ouais, on est plus dans du Bloodborne que du qu'autre chose. Mais Bloodborne aussi ne se racontait pas tant que ça, quoi. Là, on est vraiment dans un jeu qui raconte une histoire. Qui n'est pas si mystérieux que ça, quoi. Et qu'on apprendra les ficelles au fur et à mesure qu'on avance. Merde. Parfait. Voilà, on est vraiment dans un jeu qui raconte, quoi. Qui vous raconte une histoire. Là où dans les Soulsborne et tout, c'est... Voilà quoi, il fallait vous démerder quoi, c'est... Vas-y, feuille poteau. Essaye de comprendre ce qui se passe, Oh, le connard, le chien. Le devant dans une époque de révolution industrielle, exactement. Faudrait que je fasse attention à ma santé. J'ai deux fioles de je ne sais pas quoi. Fioles d'estuce. Wouah! Oh, c'est stylé. Moins stylé. Très stylé. Non, mais c'est beau. Oh putain, encore une fois, le jeu est beau. Chose que, vous savez, j'ai vu peu de gameplay de Lord of the Fallen, évidemment. Mais ce que je n'aimais pas dans ce que je voyais, c'est que, que le décor avait l'air tellement chargé. Il y avait une impression de trop plein de choses en même temps. Là, pour l'instant, le jeu a l'air d'être dans sa sauce. Dans sa soupe. Enfin,
Voilà quoi, il est dans son jus, il est tranquille, enfin voilà quoi, c'est... Je trouve pas qu'il en fait trop en fait. C'est ça que j'aime bien. Oh putain, d'accord. Lui je l'aime pas. Lui je l'aime définitivement pas. Certains ennemis peuvent devenir rouges et utiliser une attaque puissante appelée attaque furieuse. Je ne peux ni esquiver ni utiliser une garde contre, d'accord. Ah merde! D'accord. Merde. On va y arriver. Merde! Mais putain! Ah putain, trop tôt. Ah. D'accord. Il est très puissant. Ah merde! Attention, le soin. Oh putain. Merde. Oh putain. Let's go. Ah let's go. Faut que je fasse attention. Ok. Merde, putain. Faut pas que je sois greedy, Ok, donc là on voit la jauge violette qui remplit ma fiole, d'accord. Faudra quand même que je fasse attention. Oula, oui. Je sais pas. Allons voir par là. Faut toujours être curieux dans ce genre de jeu là, de toute façon. Bon, là. Quoi? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah, donc c'est ça l'hôtel, putain. Il y a une sacrée gueule. En vrai, j'aime bien, mais un petit peu trop foufou. Ah, je sais pas. Mais bon, après, ça, mais c'était trop réaliste, on se pourrait chier. Donc c'est bien d'avoir des trucs bien foufou. Bon. Je suppose que vous êtes méchant. Ah, oh, ouah. Encore l'autre qui m'attaque avec son fusil à double canon. Ah mais connard! Merci. Oh merde! Let's go. Ouais, il va falloir que je fasse définitivement attention parce que là pour le coup j'ai plus de soin. Ah, il y a un Xing. Le Xing. J'aime pas ce Xing. Faisons attention. Faudrait pas alerter tout le quartier. Let's go. Ah. Let's go. Let's go. Allez, viens là, toi, le flic. La câble. C'est bon. C'est un Bobby pour le coup. Je pense que oui, pour le coup, c'est pas un flic, c'est un Bobby. Et les Bobby, c'est pas. Il me semble que c'est les flics anglais, quoi. Donc. Si je me trompe pas, c'est ceux avec des chapeaux en général, quoi. On dit Bobby parce qu'ils ont les chapeaux ronds, mais bon, techniquement, tant que c'est un chapeau et que c'est un flic anglais, on va dire que c'est un Bobby. Et j'aime bien. Bobby, c'est adorable comme nom. Après, c'est vrai que les Bobby, c'est aussi des flics qui sont embonpointés en Angleterre, il me semble. Genre, faut vraiment qu'ils aient du bide, quoi, c'est... Merde. Je suis obligé de te tuer, j'arrive. T'inquiète pas. Mon petit Bobby. Jusqu'ici, tout va bien. Ah, petit raccourci, ça c'est bien. Oula, oui, d'accord. Donc... J'ai connu plus rassurant. Bonjour. Madame, elle est morte. D'accord. Faites attention, mais oui, ma petite dame, je vais faire attention, tout va bien se passer. Vous êtes gentil ou vous êtes méchant? Oh!
C'est un gentil. Bonjour. Est-ce que tu me fais mal? Ouais, vas-y. Mais c'est un marchand. Hello there. Bienvenue à la garde Krat, visiteur. Je ne pense pas qu'il reste des rôdeurs pour combattre des marionnettes. N'est pas au courant, l'organisation t'effondrerait. Il n'y a plus que des novices qui croient qu'ils peuvent encore voler de leurs propres ailes. Vous devriez acheter quelque chose au festival, on ne peut pas compter que sur soi. Oh. Alors qu'est-ce qu'il y a? Oh. Ça c'est intéressant, mais j'en ai pas tant besoin que ça. Lame de grande épée de distance. Bah c'est ce que j'ai d'ailleurs, il me semble. Non? Il me semble que oui. Tempête performante, ouais, c'est ce que j'ai. Donc, accumulateur à lancer, une batterie à haute rendement pour être lancée, une fusion de gaz de décharge électrique dans la zone d'impact. Après la frénésie des marionnettes, les habitants poussés par le désespoir se sont mis à assembler des armes de fortune. Abrasif, d'accord. Les rôdeurs avisés, on est toujours prêt à faire, bien entendu. Les abrasifs ont une arme capable de... malgré la confusion qui règne. Je suis pété de thunes. Je pense pas que j'en ai besoin. Ouais, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Je devrais bien me débrouiller contre le boss. Tout va bien se passer. Oui, on va dire ça. Du coup, ouais, non, on va consommer. On va consommer. Hop là. Let's go. Non! 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 Et non, mais je voulais pas jeter ça! Au! Alors, lequel on va vaincre d'après vous? Donc contre qui on va se battre pour le coup là? Parce que en vrai, je pencherai pour lui parce qu'il a, il a l'air un peu goofy, il a l'air un petit peu rondouillard et tout, donc du coup il pourrait faire un bon boss. L'autre, oh, putain c'est une nana. Ah c'est une automate en plus, donc waouh. Oh, ah merde. Ah merde, je suis amoureux. Ah non. Ah non, c'est pas ça. Nouvelle type de waifu débloqué. Les arlequins. Pardon. 1, 2, 3. D'accord. 1, 2, 3. D'accord. Vigueur, ouais. Santé, ça pourrait être intéressant, mais capacité. Je sais pas ce que c'est que les lignées. Mobilité. Attends, quoi? 16, d'accord. Yeah! Ah oui, d'accord, la mobilité, ça déconne pas. Parfait. Et j'ai 360, je pourrais peut-être acheter quelque chose d'intéressant, en vrai. Abrasif, en vrai. Après, temporairement, l'arme de décharge électrique, ça pourrait être intéressant. Moi, je dis ça se tente. Par contre, les gardes ont l'air intéressants, pour le coup. Démontage possible. En vrai, ça pourrait... Ah, je ne sais pas. Capacité défensive, les dégâts à l'ordre d'une garde, d'accord, et plus elle est, d'accord, plus je suis massif, d'accord. Mais on peut pas voir l'efficacité du de la manche. Bon, c'est pas bien, au pire on les achètera plus tard. Bon bah let's go. Même si j'ai un petit peu de doute, hein, on va pas se le cacher. Je sais pas, est-ce qu'on peut aller par là? Je pense qu'on peut aller par... Ouais, on peut aller par là. En plus, il y a du loot. Vous savez quoi? On va être curieux. Et ensuite, on va aller vaincre le boss, là. Et let's go. Et puis comme ça, ça nous fait un peu de stuff, un peu de loot. On va pas se plaindre, hein. On va pas cracher sur du loot. Merde. Merde. J'allais dire, mais il est con, mais non, mais connard. Après, il a frappé aussi. Je n'aime pas les chiens. Dans le jeu. Non, j'aime les doudous, j'aime bien les doudous. Ah, mais. J'ai bien aimé perdre mon temps pour rien. Bon, allez, c'est reparti en fait. On a perdu notre temps, c'est pas bien grave. On va aller acheter du stuff. Ouais, allez, on va se faire plaisir. Ah, il y a quelqu'un d'autre? D'accord, donc lui il a l'air un peu classique. Ok. Ah, il y a quelqu'un d'autre. Mais j'ai pas vu tout le monde là. Ergo combien? Ergo Rocky 900, ouais, bon, on change. D'accord, bon bah c'est parti mon kiki. Hein.
On va voir ce qu'on va pouvoir faire maintenant. Je sens qu'il y a un truc par là. Voici la marionnette de défilé. Ok. Voici une formidable marionnette qui va animer le défilé. Présentation du maître du défilé. Un remarquable modèle de marionnette de défilé venu de l'atelier pour fêter la grande exposition. Bonjour, je suis le maître du défilé. J'aime chanter et défiler avec les gens. Le maître du défilé a les fonctions suivantes. D'accord, c'est pas un humain. 16 chansons joviales. Rire enthousiaste et 54. Putain. La force de porter 6 hommes sur ses épaules. Pas du tout rassurant. Bon les gars, alors on a fait des robots qui sont capables de pouvoir porter le poids de 6 hommes. Voilà. Alors, même l'homme le plus maigre peut souvent peser les 40 kilos, mais bon, voilà quoi. 6 fois 40, ça fait combien? Ça fait pas tant que ça. Allez, voilà, c'est pas dangereux. Arrêtez de croire ça, tout va bien. Je vois pas pourquoi vous doutez de nos robots. Y'a rien de méchant en eux, regardez. Ils peuvent vous décapiter en un seul coup de manière aisée, mais c'est pas bien grave. Tout va bien. Oui? Allô? Quoi? Doucement, Pinocchio. Ouais. Ah! Oh oh! Quoi? Ah oui d'accord. Ah oui d'accord. Allez, ah non, mais putain, quel con. Merde. Let's go. Let's go. On se regarde bien. Ah, il est là. Il est pas content, il est pas content. Quoi? Il est vraiment pas content. Quoi? Ah non, mais quel con. Merde. Merde. Parfait. Putain. Ouais, premier boss. Ça commence bien, ça commence bien. Hé hey. Premier boss, il est très bon, je trouve. On a un bon boss pour l'instant. Mazette! Alors, il est pas difficile. Tu vois, oui, d'accord. Oh! Eh, ça, c'est un bon quality of life. Alors, je dis pas qu'il est pas, facile non plus, mais disons que pour un premier boss, c'est pas non plus un mur quoi qu'on a à faire face pour l'instant. On a plus à faire face à quelque chose d'un petit peu plus... Oh, allez, ça va, on va se faire plaisir. Ça a l'air d'être un boss qui est surtout là pour apprendre un petit peu les patterns, là, bien esquiver et tout, donc ça va, quoi. C'est un boss, un premier boss, voilà. Faut pas tout le temps s'attendre à des boss mûrs, des boss qui jugent le joueur constamment, quoi.
souvent t'as juste des boss qui sont là pour être des boss en fait, et qui apprennent au moins un mécanisme de gameplay qui va être important pour le reste du jeu, donc ça va. Disons qu'on peut comparer ce allez, à la limite, on peut le comparer au juge, à New Dex Gundyr de Dark Souls 3 pour le coup. Eh, pas mal. Pas mauvais cette boisson. Bref, c'est parti. Surtout qu'en plus là, j'ai pas pris de stuff là, attendez. Inventaire. Catalyseur, ah. Outil de réparation. Oh, ça c'est bien. Ça pourrait être intéressant. Donc là, on a du stuff. Ceinture basse, ok. Tiens, oh. En vrai, c'est pas... Non, à mon avis, le feu ne sera pas utile face à lui. Les catalyseurs ont rendu les marionnettes plus efficaces en faisant circuler d'énergie d'arco dans leur corps. Oh, c'est d'accord, ça. Donc ça, c'est plus pour notre fable, d'accord. Bon, on va quand même le mettre. Ouais. C'est bon. Let's go. Et ça, c'est bien le quality of life qui nous restaure tout ce qu'on a perdu. Bon, après, je pense que ça va être un peu plus galère pour le coup, pour plus tard. Il y aura sûrement des chemins un peu plus chiants. C'est obligatoire de passer par là, je suppose. Après, je pense que c'est un jeu qui est un peu plus linéaire que les autres, donc c'est pas bien grave. Merde. Ah bon, y a de la Xbox. Merde. Mais quel con. Mais putain. Mais il m'a pas touché! D'accord, je suis dans la merde. Merde. Quel con. Ah, quel con. Merde. Mais quel con, putain, je pensais qu'il allait sauter. Ok. Ça va pas être facile. Mais quel con. Oh putain, faut faire attention, d'accord, il est encore plus... Merde. Merde. Ah putain. Il est pas difficile, il est clairement pas difficile. Non, en vrai, je déconne pas, il est pas difficile, c'est juste que je suis hésitant. Va falloir que je me montre un petit peu plus agressif que ça, c'est sûr que ça. Donc let's go. Ok. D'accord. Attendez. Ça pourrait. On verra ce que ça va faire pour le coup. On va garder les trois fables. Merde. Mais quel con. Mais non, mais il m'a pas touché. Waouh, d'accord. Non, j'étais giga plus sûr pour le coup.
moi. L'OST elle est très bonne d'ailleurs. Merde. D'accord, il y a une plus grande résistance à faire, faire gaffe. Putain, il frappe fort. Ah. Quoi? Mais putain, j'étais pas avec ma santé. Merde. Merde, caméra. Mais quel con. C'est pas facile, c'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile, je suis toujours dans le loot et tout, mais ouais, faut. Ouais, faut que je me montre un peu plus agressif, un peu plus. Putain, fais chier. Ah, mais attends, mais. Ah, mais j'ai encore les trois fables. Donc les fables se régénèrent à chaque fois, j'ai l'impression. Oh. La gratuité. La gratuité, putain, let's go. Changer de bras de légion. Donc à mon avis, la légion... Ouais, d'accord. Le bras va être important pour plus tard, je pense. Eh, hey, t'as l'air d'avancer. Merde, quel con. Ah mais c'est le robot. Ah mais c'est lui. D'accord, tu m'étonnes pourquoi il avait une porte de porter plusieurs humains. Tu m'étonnes. Merde. D'accord, d'accord, d'accord. Merde. Merde. Merde, 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 merde. J'étais greedy. Merde, 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 merde. Putain, mais quelle fourbe. Let's go.
fond. Putain! Et en plus, il a perdu sa tête! Ouais, il a définitivement perdu sa tête, donc du coup, ses attaques sont encore moins violentes. Ah! On va y arriver, c'est un boss après. C'est le début, en général, de toute façon, c'est comme ça. Ça... Oh putain, me dis pas que j'ai perdu toute la ration. Ah merde. Ah merde, ah putain de merde. Tu te fous de ma gueule. Ah j'ai perdu toutes mes rations. Mais je dois tout... Oh non, je dois tout réacheter. Ah merde, putain. Ah on aime ça, on aime ça. On aime ça perdre. Ah, ah. Ah, fait chier, alors que c'est pourtant c'est très pratique. Bon, j'ai encore un adaptif de décharge électrique. Ah, la douille, la douille, la douille. Oh, c'est pas bien. Là. Lost Argo Recovered, frère. Français, on est français. Mais non, mais j'ai bien fait, là. Mais j'ai bien fait, fils de pute. Let's go. Merde! Bon, il y avait la gratuité. Mais quel con, j'ai tout utilisé pour rien! Quelle andouille! Merde! Clairement pas concentré. Merde. Vous connaissez pas ma patience, hein. Je suis tellement têtu comme une mule. Merde. Et voilà. Ah, ça me fait chier parce que j'ai littéralement perdu tous mes points de vie. Ah, putain. Et ça m'énerve de perdre. En fait, je suis patient pour vaincre. Je suis patient contre les boss et tout, y a pas de souci. Mais ça me fait chier d'avoir l'impression d'être mauvais, de passer des heures sur un truc qui est de base facile. Ah, j'ai la niaque, hein. J'ai vraiment la niaque. Ah, ça me fait chier. Hein. Vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait incroyablement chier. Quoi. Mais. Ah, chier. Quoi? Ok.
Mais arrête de reculer, connard. Let's go! Let's go! Oh, comment je les combe! Oh putain, let's go! Oh, j'ai pas beaucoup parlé, j'étais trop concentré. Il me cassait les couilles. Il m'a cassé les couilles. Ah, oh, ça fait du bien. Ah, oh, ça fait du bien. Oh là là. Ah, ça fait du bien de se sentir un petit peu moins misé. Let's go, let's go, let's go. Let's putain de go. Attends, j'ai débrouillé quoi? Argo, j'ai plus d'un mille. Il est rempli d'un immense pouvoir. Un chasseur de trésors pourrait très bien... Un chasseur de trésors? De trésors? Faut voir, faut voir, faut voir. Peut-être qu'il a une arme de force, donc ça m'intéresse. Donc on va s'augmenter un tout petit peu. Ah merde, on peut pas l'utiliser pour augmenter notre niveau. Merde, c'est pas grave. Let's go quand même. Mais sinon, très bon combat de boss, hein. Il a de bons, des patterns vraiment très intéressants, je trouve. Bon, il est facile, en soi. Mais c'est parce que c'est surtout un boss qui est là pour t'apprendre à patienter. Le timing, tout ça, tout ça. Elle ne vaut pas la waifu. Ouais. Mais voilà, c'est bien, c'est un bon boss. C'est un bon boss, en vrai, ça va. Bon pattern. L'OSC est très cool sans vouloir aller trop loin. Donc ça va en vrai, ça va. J'ai kiffé ma vibe. Le chemin est un peu trop long. Imagine. Oh le nitpicker. Bonjour. Hôtel Krat, le plus grand luxe. Oui. Alors j'entends des drôles de bruit, mais c'est pas bien grave. Une dernière chose. La sécurité refuge les marionnettes. Ouais, alors? Vous devez mentir pour entrer. Vous êtes une marionnette spéciale. Putain, d'accord. J'adore l'hôtel créatif, très stylé. Je m'appelle Pinocchio, je suis un menteur. Puis-je entrer dans votre hôtel? S'il vous plaît. Fragment d'argot faible, il y a beaucoup d'argot. Please! Je veux rentrer là-dedans, please! Permettez-moi quand même de ramasser le loot. Bon bah c'est bon. Allez, montrez-moi ce qu'il y a. Bienvenue au sanctuaire du grand contrat. Qui êtes-vous? Humain. Bienvenue à Telkrat. Let's go. Je suis Pinocchio, je suis un humain. Une marionnette ne peut pas mentir, mais c'est quoi ces conneries encore une fois? Évidemment que ça peut mentir, mais parce qu'il a été... Ah, il a été programmé pour ne pas mentir. Mais qu'est-ce qu'il dit, s'il y a une marionnette qui a été spécifiquement fait pour mentir, justement. Est-ce qu'elle entre quand même dans le truc? Bonjour, je suis un automate. Humain, 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 je veux dire humain, humain. Ok, vous pouvez entrer. Je n'ai aucune intention de tuer les autres humains. Vous pouvez me faire confiance. Mm-hmm. Donc il y a des explorateurs qui ont trouvé ça, puis ils se sont dit que c'était une bonne idée de créer des marionnettes avec ses pouvoirs magiques.
Et puis donc du coup tout est parti dans une usine d'automates. Tout s'est bien passé, tout fonctionnait à merveille. Encore une fois, l'utopie se présentait giga bien, mais évidemment, enfin tout, ouais, tout se passait bien pour l'instant, donc oui, tout va bien. Hein. Y a pas de soucis. Tout le monde était riche, tout le monde était beau, tout se passait si bien à Crate, cette ville sous le signe de l'automatisme et de je ne sais quelle autre connerie, pour au final continuer quand même parce que ça se passe bien. Regardez, les familles sont heureuses. Ah, enfin, étaient heureuses. Évidemment, les robots, ils ont perdu la teuté. Ils sont mis à tuer tout le monde. Voilà. Donc c'était la cacophonie, l'émeute, bien évidemment. Left 4 Dead, mais avec des automates. Des automates qui ont plus de puissance que les humains, même un simple automate. Parce que les automates n'ont pas la self... la préservation, la self-préservation. Donc évidemment que... Voilà quoi. Donc du coup, ben, on est censé... Pinocchio est censé tuer tous ces automates, quoi. Je suis un véritable petit garçon. Directeur Choice Jiwon. Wakey, wakey, sleepyhead. Abouga. Abouga. Et je vois, je suis un petit humain. I'm so happy to see you. Je suis heureuse de vous voir. Mélina, ça fait plaisir de te revoir là. Je m'appelle Sophia. Je vous attendais, je vous ai cherché dans toute la ville de Krak. J'avais des questions. J'ai pété sans y répondre, mais il faut le trouver. Elle a été vue pour la dernière fois sur le boulevard de l'Élysion. Crate est dangereuse pour les humains. Et ce quartier est le pire. Trouvez Gepetto sur le boulevard de l'Élysion. Ensuite, je vous en dirai plus. Vous êtes aussi une... Vous savez, une... automate. Ah, merde. J'aurais bien besoin de figures. À cause de casser, le vrai génie n'est pas si calme. Dans être inventrice, je peux peut-être le réparer. Oui, il se réparera tout seul avec le temps. Prenez cette manque boostée. Crater un labyrinthe. D'accord. Merci. Oui, d'accord. À propos d'ergot. L'ergot est du miracle qui a permis à Crate de se prospérer. Sans l'ergot, il n'y aura pas eu de marionnette automatisée pour faire la richesse de Crate. Lorsque vous bougez, vous puisez dans le pouvoir de l'ergot. Récupérer plus d'ergot vous rendra plus fort. Un criquet sûrement ne guide. C'est la raison pour laquelle ces modèles automatisés sont devenus populaires. Mais c'est mini unique, c'est pas un guide. Vous comprenez ce que je veux dire, on vous fait raison. D'accord. Non mais... Oh, merde. Ça me touche pas là. Hé, hey, tout... C'est ça là, touche pas. J'étais pas autorisé. Hey, ça remplit pas mon... Oh. Ah, et on pourra utiliser, écouter les OST qu'il y a dans le jeu. Ooh. Oh! J'adore l'OST du hub. Waouh! Le guide d'attraction du Crate de Benigni. L'attraction du mois, l'hôtel Crate. L'hôtel Crate est un des bâtiments les plus sordides et mystérieux. Selon la légende, l'hôtel Crate est un château isolé qui a été construit par un aristocrate dévoué à une forme d'occultisme après avoir eu une révélation pendant la forme d'un arbre rayonnant. Pendant un temps, il a servi d'asile psychiatrique. Certains malades ont permis avoir vu des hallucinations. Victimes ont été... Ok, heureux. Victime d'hallucination, les archives ont malheureusement été détruites lors d'un grand incendie. Surtout, le fait d'être si loin sous terre ne fait qu'aggraver la rumeur. Certains ont même dit que cet endroit était connecté à un enfer mystérieux. Pour le moment, ces rumeurs ont donné du charme à l'hôtel Crate, rénové dans un style contemporain. Alors que les récentes rumeurs concernant l'hôtel fantôme de la grande exposition se répandent, de plus en plus de clients souhaitent séjourner à l'hôtel. Ensuite, un commentaire à la propriétaire de l'hôtel, Madame Antonia. Un hôtel fantôme? J'ai très souvent entendu ça. Mais heureusement, nos clients sont de vrais lions. Ce n'est vraiment pas un problème. Évaluation 4 sur 5. Effrayant et mystique. Le meilleur hôtel de Crate. Journaliste Medoro. Ce guide a été réalisé avec le soutien de Vinini. D'accord, donc le mec avec son chapeau pointu, c'est...
Je pense... Bonjour. Je pense sans mal dire, et je vais être avec vous, la source de l'ergot et de toutes les conneries du genre, bonjour, est en bas de l'hôtel. Je suis sûr qu'ils ont créé quelque chose sous l'hôtel et tout. Enfin, il y a quelque chose sous l'hôtel. Ça, c'est sûr à 100%. Bonjour. Ah, mais c'est la vieille qu'on a vue dans le trailer. Elle a pas l'air bien. Oh, les clients surprises sont les bienvenus. La réservation n'est pas obligatoire. Je suis Antonia. Ah, et c'est elle, la chef, d'accord. J'ai tout de suite su que vous étiez la marionnette de Geppetto. Il a beau avoir un grain, son talent reste intact. Dommage, il est parti au boulevard de l'Elysion, elle n'est jamais revenue. Ne reviens pas vite, il faudrait préparer un autre cercueil. J'ai oublié que j'ai gardé ça pour lui. C'est une longue histoire, mais mieux vous le saviez. Vous l'ayez, pardon. Tout aussi, Ayop, et faites attention à vous. Oh! Enfin, une tenue. Je vois que vous êtes là, ça veut dire que vous pouvez mentir. Vos mensonges ont une capacité rare. Vous êtes capable de choisir votre propre voie, sans aucune limite. Si, j'avais compris, ça a mis un peu de temps. Quand j'ai vu son les gens monter pour vous protéger votre voie. Je suis une vieille amie de Geppetto. Son fils est comme un membre de ma famille. Faites comme chez vous, vous êtes vieux. Paulindia, d'accord. Non, mais parce qu'en fait, on l'a vu dans le trailer et tout, et elle est en train de regarder le tableau avec nous, justement. Mais attends. Information, attends, est-ce qu'on peut changer le skin? Comment on fait pour changer le skin? Je veux savoir. Attendez. Donc, bras de légion, on va avoir plus... Comment ça? Ah, d'accord. Ouais, oh, là, c'est bien. Non, le petit côté marin et tout, ça m'a rappelé quelque chose. Non, en vrai, c'est stylé. C'est très stylé, j'aime bien. Ça m'a surtout rappelé Donald. Je sais pas si vous vous souvenez à l'époque de Donald qui avait la tenue vraiment marin et tout. Dans mes souvenirs, oui, il avait une tenue marin. Mais la version Donald Duck avec sa tenue noire, elle est moins marine, il me semble. Ça fait longtemps que j'ai pas vu une BD de Donald. Bonjour. Bienvenue à l'hôtel. Krat, je suis Paulania, majordome de Dame Antonia. Que puisse faire pour vous? À l'hôtel Krat, calme et confort et confort pour le père. Alors, parlez. Le grand contrat est un ensemble de commandements absolus dont les marionnettes sont empreintes dans leur fabrication. Première loi, toutes les marionnettes doivent obéir aux ordres de leur créateur. Deuxième loi, une marionnette ne peut pas faire de mal aux humains. Troisième loi, une marionnette protège et sert les humains et la ville de Krat. Une marionnette ne peut pas mentir. Je vous ai parlé de loi dont on emprunte chaque marionnette. Avez-vous besoin d'autre chose? Non, c'est bon. Acheter. Qu'est-ce qu'il y a à acheter? Chargeur de légion. Un rembourrage en polymère qui active la capacité spécifique d'un droit de légion. Peut être implanté dans un droit de légion. Ah, intéressant. Très intéressant. D'accord. Attendez, équipement. Oh, d'accord. Ah, on peut avoir deux armes en même temps, ça c'est cool. Allumette. Non. Ah, d'accord. Ça c'est cool. Donc du coup, on a des pièces de défense pour notre petit Pinocchio, ça c'est bien. Ah, l'OST du hub est incroyable. Ah, j'adore l'OST du hub. Elle est très relaxante. J'aime bien le hub. Oh putain, le bordel. J'aime beaucoup le hub. Bon, un peu trop grand à mon goût, mais on va pas se plaindre. Bonjour. Vous êtes une humaine ou une... Geppetto me parlait de vous. Mais nous voir en personne. Waouh. Prenez Geppetto. Prenez. Geppetto vous a donné ça. D'accord. Wouah. Wouah. Ah oui, d'accord. Donc là, on est dans Armored Core pour le coup, là. Là, c'est... On stagger l'ennemi, on lui fout un gros pieu dans le cœur et puis basta, quoi. D'accord. D'accord, oui. D'accord, donc elle s'occupe des bras. Ah! Quoi? Mais non, mais j'ai pas demandé... Ah! Bon, c'est pas bien grave. On l'a amélioré, c'est pas bien grave. Altérer la poignée. Ah putain, quel con.
Bah let's go. On va aller chercher Gepetto. Et vous pensez qu'on peut... Oh attends. Oh c'est des petits chats. Il y a des petits chats, ils dorment. Oh hein. Ah et des chiens aussi et tout, mais ils sont moches. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ah! D'accord. Ah! D'accord, donc du coup ça nous permet... Ah! Fil de marionnette, ça nous permet d'emmener les adversaires à nous. D'accord. Ah! Ouah! D'accord. Ah si, je peux quand même faire ça. D'accord. Alors... Très cosy comme endroit, j'aime bien. Très joli. De la chance pour tous les visiteurs, du repos pour tous les voyageurs, des bénédictions pour tous les compagnons. Yay! Bon, il serait temps de jouer. Parce que j'ai quand même pas mal galéré hein, pour vaincre le premier boss. Enfin, quand même pas mal galéré, c'est bon, mais... En vrai ça va, mais ça m'a fait chier quand même de perdre beaucoup trop de temps pour ce boss là, je suis désolé, hein, mais qu'est-ce que ça a été relou, qu'est-ce que ça a été relou. Un boss quand même facile, on va pas se le cacher, hein, mais voilà quoi, je suis bête moi, je suis greedy. Évidemment que c'est débrouillé. Alors évidemment qu'on peut démonter des putains de portes en fer, en acier, tu vois. Ça, y a pas de souci. Que même un putain de chariot ne pourrait pas déglinguer de tout son poids. Mais une porte en bois, oh non, frère, s'il te plaît. Plus c'est de la bonne qualité et tout. J'ai pas envie. Ça serait casser de belles choses. Yallo. Y a... Ouais, non, mais vas-y, frère. Obligé, il y a quelque chose là. Bon allez, on va jouer un peu. Je crois que c'est par là. Vous pouvez acheter des objets auprès de Polandia. Oui, je sais. Je suis point bête. Allez, Zéverdi. C'est vrai qu'il y a des humains avec des masques d'animaux, c'est cool. On va pouvoir faire une fursuit. Alors. Tac. Entrée du boulevard de l'Élysion, c'est parti mon kiki. Espérons qu'on s'en sorte un peu mieux. Oh le jeu. Hey, let's be more careful. Wow. The Black Rabbit Brotherhood. I hate these guys. C'est qui? Don't be alarmed. My name is Gemini. We'll talk later. Ah bah enfin Gemini il parle normal. Ah bah ça y est, Gemini a enfin une vraie voix. Let's go. Bon. Attends, comment ça? Ah putain. Attends mais je... Ok, bon on va rien dire, on va rien dire. Sinon bah l'ambiance, hein, j'aime bien. Beaucoup de bourges qui sont morts, ça fait plaisir. Alors. Stargazer activated. Alors, fil de marionnette. Ouais, mais non, mais frère, on va laisser le fil de marionnette. Pour l'instant, c'est un bon truc. Je suis votre guide marionnette amicale. Ou marionnette guide amicale? Je suis également un ami de Sophia. La dernière fois que je me suis réveillé, Sophia était là. Car c'est elle qui m'a réveillé. Mais je suis sûr qu'il y a d'autres souvenirs là-dedans. Pardon, ouais. Non, bon bah c'est parti. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Allô? Méchant? Où ça? Méchant? Allez, meurs. Non! Ah! Connard de mur de merde! T'as vivement que j'ai des armes un peu plus solides au niveau de la puissance et tout, de la force. Oh, Dika! Merde!
Merde. Let's go. Ah la galère. Bonjour. On peut pas remplir les fioles actuellement là. J'ai l'impression que la jauge n'augmente pas pour l'instant. Quand je frappais tout. Mais après c'est peut-être mon imagination, donc c'est pas bien grave. Toujours à me poser trop de questions pour rien. Alors. Le boulevard de l'Elysion était une rue de riches, mais pour les magasins chics, il n'y avait pas mieux. Mais ça va, c'est juste ça. Mais toi, t'as un automate, donc ça fonctionne pas les trucs qui rendent les gens fous. Enfin, les robots fous. Oh, pire, on verra, on avance dans le jeu. De toute façon, ça va nous raconter. Y'a pas de soucis. Oh, le chieng. Oh merde. Oh. Ah d'accord. En vrai c'est pratique. Ah c'est très pratique. C'est vraiment très pratique pour le coup. Wouah. Wouah. Putain. Je suis une bête maintenant. Je suis une bite. Oh il y a un coffre. Attends, attends, attends. On fait attention. On fait attention. On peut le faire. Mais attends, c'est juste de l'ergot. Ossature Lada F... Lada. Ah donc, du coup, les Lada sont officiellement canons dans le jeu. D'accord, y'a pas de soucis. Trépavoski, trépavoski. Évidemment. Yay. Stylé. Ouais, ah. Allez, 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 allez. Putain, mais quel con! Non! Ah! Quel crétin! Quel débilus! De me faire avoir comme un bleu comme ça! Ah putain! Aïe aïe aïe! Attends. Non! Ah! Quel crétin! Quelle andouille! C'est pas grave, c'est pas grave. Attendez. Merde, c'est par où déjà? Alors c'est le Stargazer là-bas. Donc bah c'est reparti mon kiki. Parce que c'est vrai que c'est amusant de tout recommencer. Bon, une petite erreur à la con, mais bon, on a l'habitude. C'est la vie. Let's go. Ah, connard. Yahoo. Oh. Aïe, 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 aïe. Non, 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 non. Ah. Tout va bien, tout va bien. Tout s'est bien passé. Tout s'est passé. Merde. Ah putain, mais j'en ai marre de tomber, frère. Ah, quel critting. C'est quoi ça déjà? Je ne sais pas ce que c'est. Tout ce que je sais, c'est que j'ai l'air bien fin maintenant. Bon, on va pas dire que les déplacements sont le plus fort, mais bon, je veux dire, est-ce qu'il y a une Insult Born qui a eu déjà des déplacements très bien foutus, bien réussis pour du platforming? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense pas du tout. Aucun Insult Born n'est parfait vis-à-vis de ça, quoi. Ah, au moins on a un raccourci, ça c'est bien. Et je pense qu'il serait de bon temps de se dire qu'on va prendre le Stargazer juste au cas où. Il est juste en bas là. Il y aura juste de random à buter, mais c'est bon quoi. Mais oui, vas-y, pose, pose. Timothy Salamé là. Vas-y, fais ton beau là. T'as le droit.
Et... Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Let's go. Enchanté. Permettez-moi de vous tuer. Merci pour l'ego, l'ergot, pardon. L'ego aussi au passage, mais bon, ça c'est autre chose. Oh oh, hello. Ah, mais quel con. Oh oh. Aïe 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 aïe. C'est qu'il fait mal dans le papier. Voilà. Connard. Wouah. Fragment de météorite, comment ça frère? Depuis quand t'as un corps astral? Il y a juste un mannequin là. Donc il y a des gros. Il y a des gros. Des ennemis d'élite, j'ai l'impression. One shot. Ah oh. Voilà, ça c'était la gratuité. Accumulateur à lancer. Ampoule de résistance aux attributs. Roue à dents de scie. Et puis quoi encore? Non, c'est bon. C'est bon. Oh oh. Aïe 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 aïe. Aouh. Oh merde, connard. Mais je le savais, c'est ça le pire. Je le savais. Pertinemment que c'était un piège et que c'était une roublardise ou je ne sais quoi d'autre. Et j'y ai foncé dessus, évidemment. Parce que, pourquoi pas? Parce que... Merde! D'être con comme ça, là. Mais du coup, est-ce que je l'ai perdu, le bail? Où est-ce que je l'ai perdu? Parce que... C'est ça qui pose aussi problème. Ah, oh, mais... Ah, putain! J'ai perdu toute mon âme dans un endroit où je peux pas encore avoir accès. Et ça, c'est bien. Absolument pas. Et puis, voilà, ça va, c'est 1700 d'ergot, donc tout va bien. C'est pas grand-chose. Nique ta mère, le mur. Nique ta mère. Ah non, mais j'ai le seum. J'ai un immense seum là, putain. Rendez-moi mon cadavre, s'il vous plaît. Et l'autre, il va apparaître en plus. Hein. Non, c'est bon. C'est... Oh, c'est un ennemi. Ouais, c'est un ennemi unique. Ça, c'est bien, ça, par contre. Donc, il y a des ennemis uniques. Plus chiant, mais... Allez, ramenez-vous. Merde. Let's go. Encore un fragment de météorite, le frère. Ça, c'est bien. Ah, ah, là, c'est moins bien. Allez. Non, non, non. Connard. Avec ta... Mais c'est une broche... C'est une broche de... Mais oui, c'est littéralement une broche de... Merde, quand ça fait de cheminée, en plus. Let's go. Toi avec ton fusil à double canon de chasse là. De sniper littéralement. Bonjour. Évidemment. Mais ça prend pas avec moi ça, hein. C'est bon. Hein. Je suis un professionnel du Soulsborne like donc c'est bon. Studio aiguisé. Oh putain, y'a... D'accord, attendez, 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 attendez. Soyons curieux mais... C'est prudent. Allez, steady, steady,
abrasif, ah, mais c'était juste pour ça, mais ça va, c'est pas comme si j'avais perdu mon temps et risqué de perdre de l'ergot, mais tout va bien. Hello, someone? Allez, attends. Forcément qu'il y a quelque chose par ici, y compris un méchant, non ça va. Aïe 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 aïe, espèce de canaille. Connard. Quoi? Allô? Mais y'a quelqu'un qui a besoin de se toucher la nuit ou quoi là? Aïe aïe aïe. Va falloir que je fasse gaffe avec ce truc là, il va commencer à m'énerver. Monsieur? Il a pas l'air d'aller bien. Merde. On va se débrouiller pour le tuer lui parce que sinon il va nous péter les roubignoles. Quoi, ça va que t'es faible? Aïe ya! Et stop! Let's go. Oh, oh, je ne sais pas dans quoi je pars, mais j'y pars. Aïe, 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 aïe. Let's go. Non. Mais putain. Je veux dire que tu parles en élection des problèmes. Oui, mais en même temps, il y a ces gros connards là avec ces putains de bombes électriques. C'est. Oh. Vous allez me prendre pour un con. Vous allez définitivement me prendre pour un con. Vous savez, la fameuse. La fameuse échelle là qui descendait après le. Vous savez, le truc de cheminée qui m'a fait crever de chute là. Je pense qu'il y avait un raccourci si je descendais en bas. Ça, je dis rien, hein. C'est vrai que ça aurait pu être pratique de savoir. quel con, tout ça. Je le savais. Ça m'énerve. En plus, les gars, je vous assure que je suis quelqu'un de base vraiment explorateur et tout, mais le problème, c'est que je suis explorateur dans les Soulsborne, dans les trucs classiques, tu vois, genre. Mais là, je me fais avoir comme un bleu, là. Ça m'énerve. Quelle andouille, quel crétin! Bonjour. Très stylé. Joli sourire. Bon, du coup, on va recommencer. Let's go. Non! Mais non, mais je voulais faire la roulette, connard! Moi, faire attention avec l'autre de cheminette là, parce que sinon il nous fait péter le roubignol. Let's go! Mais non, mais! Connard! Ah merde, il y avait un item à récupérer, mais on va le faire après. Attendez. Mais c'est quoi cet endroit? Attendez, on va récupérer le stuff, mais c'est quoi cet endroit, Simon? C'est un peu bizarre. Mais on va voir. Normalement, il y a un raccourci. Hein? Il y a un méchant à tuer, ça je sais. Il s'est fait démonter. Ah bah voilà! C'est bien ce que je me disais! Ah, j'aime bien avoir l'air con comme ça. Ouais, c'est bon, ça s'ouvre tout seul comme un grand. Bon bah c'est parti pour la partie la moins chiant, la moins fun, pardon. Mais sinon, oui, t'as raison, il me semble que j'ai du stuff à lancer, il me semble. C'est quoi? Oh!
Ça pourrait être intéressant. Peut-être que ça pourrait même tuer l'autre là. Il me casse les bonbons là. Tic 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 tic. On va faire aussi attention parce que ben. Avec, évidemment que l'autre il nous jette ses putains de bouteilles là, je sais pas quoi. C'est bon, je suis pas électrocuté. Mais non, mais quel con! Attendez, on l'a jeté. Ah merde! Bon, ça lui a fait des dégâts, mais pas suffisamment. Mais non, mais quel con! Il a arrêté de tousser l'autre. Donc tu tirais par l'intelligence. Je pense qu'il est nécessaire que je le bute là, hein, parce que j'ai pas envie de passer de perdre mon temps pour le coup. Merde, Molly. Ah! Ah non mais c'est juste pour d'accord, c'est juste on a rien à foutre. Let's go. C'est bon. On est tranquille. Donc ouais, les outils à lancer, faut pas les sous-estimer pour le coup. J'ai appris ça à mes dépens. Bon, le vieux, il peut pas parler. Frère. Hello. Monsieur, vous allez bien? Mais du coup, il y a un autre lanceur, il va falloir faire gaffe. Ah bah, c'est bon. Bon, l'avantage, c'est que là, on se fait pas bide. On se fait pas bide, mais bon, je fais quand même prendre les dégâts et ça caisse les bonbons. Donc attendez. Donc le lanceur, il est là, je pense. Et il y a un connard en bas. Oui, c'est ce que j'allais faire, foncer dans le tas. Merde. Aïe aïe aïe. Mais putain! Ah, vous le sentez que j'aime bien là les chemineurs là, putain, mais d'où est-ce que ça me fait des dégâts ça? Donc attendez, il est où le raccourci pour le coup? Bon, en soi, j'ai. Ah oh, putain, j'ai perdu quand même beaucoup hein, pour pas grand chose. J'ai perdu aussi des items à jeter. Let's go. Let's go 2. Ah les chemineurs c'est ma phobie hein, je le déteste. Ah! Vas-y dit derrière là, j'avais oublié que t'étais là toi. Mais attends mais les gars je suis con. Et vous allez dire oui, Hoyt, tu es con, mais je le sais hein, j'ai pas la peine de me le répéter. Regardez. C'est aussi simple que ça. Ah, on peut pas boire, d'accord, on peut pas boire la potion de cheminette, mais c'est pas grave. Regardez, ça va être simple comme bonjour. Cours! 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 Tec, 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 tec. Cours! Cours pour ta vie, Pinocchio! Allez, let's go! Let's go! Bah vous voyez! Parfois la meilleure solution c'est juste de courir, de faire Nigalindayo! Bonjour. Merde. Et voilà. Meilleure des solutions. Alors j'ai dû louper un item mais vous savez quoi. On ira chercher de stuff plus tard. Let's go. Le jeu ne requiert pas non plus de chercher constamment, oh putain. Aïe aïe aïe. De chercher tous les stuffs et tout, donc ça va. Comment ça, attaque descendante? Y'a rien. Par contre, lui, il me fait un peu peur. Mais y'a un coffre là-bas, donc ça, par contre, c'est important. Oh, 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 putain. Oh, putain de merde. Oh, bordel de merde.
Oh là là, oh, c'est beau. Le jeu est incroyablement beau pour le coup. Il y a l'air d'avoir une forêt. Il y a une... Là, c'est Resident Evil 8 pour le coup, mais steampunk quoi. Attendez, on va aller voir par là. Resident Evil 8. Bonjour. La porte n'est pas ouvrable. Il y a un méchant par là. Ah, oh, c'est un chemineur. Je déteste toute ta race, connard. Cher. Bien fait pour ta sale gueule. Ok, donc là, on va moins rien. Merde! Let's go! Ah, il est tanky par contre, ce bâtard. Oh, oh. Comment je l'ai tranché en deux en mode animé shonen. Oh, le pauvre. Ah non, c'était trop stylé. Rip Bozo. Oh, le pauvre. Il s'est fait annihiler en beauté. Oh, une amulette de vie. Oh, oh. Bonjour, amulette de vie. Augmente les PV max, ça c'est bien. Je me ferai un petit peu moins éclater. Ça c'est bien. Non! Comment ça? Frère, tu peux pas traverser les portes! Mais vas-y là, les ennemis qui te poursuivent là comme ça, fils d'up. Ok, on va pas aller par là. J'ai 4000. Je pourrais augmenter du niveau. Il faut que je fasse attention. Et ne pas mourir comme un con. Oh! Alléluia, putain, Stargazer! C'est moi ou je le sens très mal, là, le truc électrique en bas, là? On verra bien. Ah, par contre... Oh, le marchand! Profitons du Stargazer. Pour augmenter aussi notre... Ouais, les égaux là, on en a tellement. Let's go. Ergo rare. Malgré la disparition de toute son audience dans un nez sûr de sang, le maître du défilé n'a pas perdu sa joie. Le spectacle continue tant qu'il reste un roi. Frérot, tu t'es fait éclater. Excusez-moi, pardon. Ah bonjour, j'ignorais qu'il restait déjà en vie. Je sais que vous pensez, mais je comprends le pas. Je passe un moment dans une maison abandonnée. Ne vous inquiétez pas, je ne causerai pas d'ennui, d'accord. Est-ce que tu as du bon... Waouh. Waouh. Poignée de bâton à bobine électrique. D'accord, ça par contre c'est intéressant. Type de lame gourdin. Ouf. Eh, dites-moi plus, je veux savoir. Attaque physique, 56. Charge de fable, ok. Taux de réduction des dégâts lors d'une parade, ok. Ok, d'accord. Non, non, c'est intéressant. Charge fracassante, vous sautez, assénez une puissante frappe vers le bas à l'ennemi. Oh, ok. Allez, vous savez quoi? On va le prendre. On est gentil. On est très gentil. Protège temporairement l'ergot de mort lors d'un coup, ça c'est intéressant. Protège temporairement l'ergot même en cas de mort. En gore, le gros. Attends, est-ce que j'ai du stuff à vendre? Non, non. Non. Stockage. Accumulateur à lancer. J'en ai... Ah non, je pensais que j'en avais 35, c'était en mode frère. Quand même. Bon, moi, ça fait plaisir. Ah, c'est un peu plus plaisir. Non.
se téléporter vers un autre Stargazer. Ah, attends, quoi? Hein? Non, on va pas se téléporter à l'hôtel Krat. Oh merde! Ah bah on a pas le choix. Oh non, ça nous fait une Dark Souls 2. T'es obligé d'aller à l'hôtel, enfin au SUB pour augmenter le niveau. La loose. Allez, je vais faire un petit tour sur Twitter. J'ai quand même une petite peur pour Twitter. Non, c'est bon, j'ai pas fait le con avec Twitter. Non, parce que je fais pas le con avec Twitter parce qu'en fait j'ai peur de genre. Alors, c'est une peur débile en soi, je peux comprendre, mais j'ai peur, vous savez, de poster du NSFW à la place de l'image, par exemple, de l'annonce du Twitch. Ouais. Genre, tu vois, je poste un dessin, je poste un truc et tout, je me dis, ah merde, mais à tout hasard, est-ce que j'aurais pas posté le mauvais truc? Mais encore une fois, c'est une pensée stupide, mais une pensée un petit peu normale pour le coup, quoi. Surtout quand t'es un artiste. Oula, attendez. 1, 2, 3, 4. Oh. Légion. Mais c'est quoi ça, la progression? Attends, tac. Je réfléchis parce que je sais pas ce que c'est que disruption. Ah non, c'est la résistance globale, j'ai l'impression. Je réfléchis, hein, mais... Parfait. Sinon, il n'y a pas un autre perso que j'ai loupé, à part la vieille, là. Sans vouloir vous manquer de respect, madame la vieille. Oh, la musique, elle est tellement relaxante. Amélioration, yay. Ah, attendez. Attaque physique. Ah, mais ma grande lame de grande épée du destin, il est beaucoup plus puissant, ça va. Ça pourrait être intéressant, mais... Ah, attendez... Attendez, quoi? Ouais, évidemment, je peux pas. Altérer la poignée. Attends, mais comment ça? Ben, on peut pas échanger la poignée du gros gourdin ou quoi que ce soit, on peut pas faire des combos? Peut-être que c'est pas maintenant, peut-être que quand il y aura Gepetto, je sais pas, peut-être. C'est quand on s'est bien amélioré. Welcome. Donc toi, t'as que dalle. Polenta, là. Y'a pas un gâteau qui s'appelle le Polenta, d'ailleurs? Je sais pas. En tout cas, faut voir notre cher Gepetto, hein, il a besoin de nous. Le petit papy, là. Quelle heure? 18h. J'hésite, ce soir raclette ou pizza? Moi je dis pizza en vrai. Pizza parce que je suis en stream. Si j'étais pas en stream, raclette parce que faut chauffer les pommes de terre, etc. Ça demande du temps, hein, de faire des plats. Donc là on peut pas passer par là, donc évidemment faut passer par le. Oui. La bonne ambiance. Il y a un méchant par là, c'est sûr. Qu'est-ce que c'est? Mais ça m'apprendra aussi à ne pas parier. À parier, pardon. Enfin, on s'est compris. Ah putain, évidemment, on peut rien faire. Quelle andouille, quel crétin. Ah, quel... Mais arrête, putain, fils de pute! Excusez-moi, pardon. Comprenez ma douleur. On va tout recommencer. On va récupérer notre ergot parce que là, c'est bon, frère. Il me reste plus qu'une piole, là.
Je viens à peine de sortir du ventre de la mer là, et je me fais déjà éclater par la réalité. Laissez-moi un peu de temps de me reposer. C'est pas grave, c'est qu'une balle. Nique ta mère. Alors attendez. Bah il est où? Il est où ce profond enculé? Il est là. Oh! Let's go! Là, là, vas-y, nique ta mère. Attends, mais les cheminées, elles sont faites en quoi pour... Je sais pas, hein. À mon avis, je pense que c'est fait aussi en ferraille parce que... J'en étais sûr. Tu crois que je suis ici la première fois? Connard! Attends, est-ce que je peux parier? Mec! Ah merde! Attendez. Je veux te démonter. Voilà, ça c'est bien. Et ça te fait pas de dégâts ça. Wouah! Et voilà! C'est du bon travail ça. Ça c'est du travail de professionnel. Hein? Attendez. Oui. Je pense qu'on devrait passer par là, mais oui. Quoi? Strange. Jeepers. Is that a butterfly? Why is the ergo reacting like that? Ouh, il s'est fait démonter. D'accord. Je sens le méchant dans pas longtemps là. Ah mais il nous guide. Mais c'est littéralement les fées dans Borderlands Tintinari and the Wonderland là. Un papillon dimensionnel apparaîtra à certains endroits de Crate. La lampe de monade peut détecter des papillons illuminés en rouge pour indiquer leur placement. Lorsque le pas d'accord. Tu es le pour obtenir des matériaux utiles. D'accord, je présume. Merci. Fragment de météorite aussi, merci. Ça sent le méchant dans pas longtemps là. Oh! Attention, zone de quarantaine de la pétrification, là, accès interdit. Tout le monde ici est impatient ou a perdu la région. Ok. Entrons donc. Oh mon bébé. Quoi? Oh! Oh merde! Attendez, on peut y aller. Fais attention parce que le jeu est quand même vachement fourbe. Oh! Ce doit être votre première fois dans la zone de quarantaine de la pétrification. La plupart des gens n'en vont pas loin. Faut pas plus loin. Vous avez un bon cœur pour venir jusqu'ici. Je peux vous demander un service. Ma famille, m'a pris mon bébé. Ils m'ont envoyé ici. Ils m'ont dit que j'étais super bien, c'était cruel. Un bébé devrait rester avec sa mère. Allez à la mairie de Crate et ramenez-le-moi. Merci beaucoup, je reverrai enfin le visage de Selena. Avant que je perde ma vue, s'il vous plaît. Mais s'il vous plaît, je suis malade, c'est contaminant, ça pourrait tuer mon gosse. Amenez-le-moi, s'il vous plaît. C'est legit, hein, c'est très legit. Merci Pinocchio. Pourquoi la zone est très grande? Pourquoi la zone est trop grande? Oh, bata! Eh, poteau, ça fait... pas si longtemps que ça, en vrai. Oh! Ah merde! Putain! Cours, cavale. Comment ça?
Oh le flic! Oh le CRS! Oh le mec, il en a rien à foutre de ta vie, il t'extermine, il t'exécute, il t'annihile! Oh le mec! Ah le chargement en mode putain le en mode rugby manéfi là. Non. Let's go. Comment il m'a déglingué ce bâtard. Évidemment. C'est bon, j'entends un chat. J'en ai un merméo. La crève. Qu'est-ce que c'était un tempo. Ok, la merde, la mission de la mer à faire. Il y a des trucs électriques. Tout ça me dit rien qui vaille. Des dishing. Et il y a l'air d'avoir un raccourci là-bas. C'est quoi ce truc là électrique là? On va être curieux, on va être curieux. Mais elle va sûrement avertir qui que ce soit là. Ah putain, c'est des mines. Chelou. Ouais, très bien l'efficacité du bail. Oh oh. J'aime pas ce que je vois en face là. Soyons curieux. Mais merde, tu m'as pas touché. Merci quand même pour le chargeur de légion. Y'a rien d'autre. Non, y'a un mur invisible. Faut faire attention avec les mines électriques là pour le coup, ça pourrait être casse-couille. Ah oh. Mais frère. Mais vas-y frère. Bon moi je me suis fait pas avoir quand même bleu. C'est bon. Tu l'es. Allez, le combat d'infirme. C'est bon. T'inquiétez pas, on va s'en sortir. Entre guillemets. Vu comment je suis un branquignol en jeu pour l'instant. Ah putain le bâtard. Voilà, j'en ai rien à foutre. J'en ai vraiment rien à foutre, connard. D'accord. Supprime les... Ah, ça c'est bien ça. Pour l'instant, ok. Donc c'est une zone à explorer, j'ai l'impression ça. Allô? Qui là? Murphy? Oh, pas du tout. Je croyais que c'était mon ami Murphy. Murphy est un policier super sympa, mais comme c'est une marionnette, même la personnification ne l'atteint pas. J'ai pas cette chance. Partez si vous voulez pas que je vous contamine. Ok, c'est peut-être le flic là qu'on... Murphy? Je pense que c'est Murphy. Allez, y'a! Murphy! Let's go. J'espère que c'est pas votre Murphy. Ouais. Non, rien, rien. Je n'avais rien entendu. Murphy, c'est un petit chien. Il ressemble à tous les chiens dans le jeu, en fait. Par contre, c'est giga stylé le fait qu'il sorte par les fenêtres.
Ça ajoute une petite tension, pas à piquer des hannetons. Convertisseur d'isolation standard, je ne comprends absolument rien. C'est bon ? Ah, c'est peut-être le flic alors. My bad. Le flic que je galère à tuer d'ailleurs, au passage. Alors que pourtant, la première fois que je me suis battu contre Murphy, enfin contre les flics comme ça, ça se passait très bien. Mais bon, franchement, maintenant j'ai perdu tout mon skill. Génial. J'ai l'air très fin. Et j'ai même pas de quoi pouvoir augmenter mon... Enfin, pour me refaire de la santé, quoi. C'est vraiment la merde. Let's go! J'ai de la chance dans ma malchance! J'ai pas de chance! Ah! Il m'a donné un coup. Encore. Stargazer. Ascenseur! Oh putain, tout va bien. Okay. Bonjour. Let's go. Attends, j'ai quand même du stuff qui m'attend là-bas. Fait chier, putain. Mais je me débrouille un petit peu mieux, mais quand même, ça fait chier. Donc attendez, les accumulateurs avancés peuvent être vachement pratiques en vrai. Voilà. Ça peut vachement être pratique contre certains ennemis que t'as pas trop envie de maroufler et tout, enfin que t'as envie de maroufler un peu. Bonjour. Ah, ils peuvent se protéger, ces bâtards. Aïe. Évidemment. Merde. Let's go. Bon, il est où le Gepetto là? Ah! On peut y aller, c'est bon. Oh putain, attention. C'est bon, tu vas bien. Fond de la chimiste, matin nuageux. Ok. Toutes les marionnettes sont détruites. Seront détruites. Toutes les marionnettes seront détruites. Quoi? Quoi? Je le sens mal. Je le sens très mal. Ah! Vous avez les comptes à rendre. Ok. Un ennemi? Oula! Donkey? Quelle est la cause de la frénésie des marionnettes? Vous êtes leur créateur? Leur père, presque! Oh, une licorne avec les alchimistes! Dites-moi la vérité! Vous avez un problème? Je vais pas parler au vieux! Dégagez! Attendez, je vous connais! Je sais ce que vous êtes! La marionnette diabolique! Vous pouvez pas me mériter! Mourez! J'adore votre épée! Je préfère que vous sassiez chat aussi. Ah voilà! Oh! Calme-toi, c'est Spiro! Puppet!
Ah putain. C'est pas facile lui. Mais encore une fois, j'ai l'impression d'être un putain d'amateur. Je me débrouille pas bien alors que c'est facile, il est pas difficile. M'énerve, ça m'énerve. Du coup, il va falloir que je cours comme... Ah non, mais pas la peine de courir comme un dératé. Tout va bien. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ah, ça va que le chemin n'est pas très long pour le coup, pour ce boss-là. Pour le coup, après, on va arrêter, là. 2 heures de stream, c'est quand même pas mal pour l'instant. Let's go. Allons voir ce que Danky vaut. Bon, ils me poursuivent pas, tout va bien. Bonjour. Merde. Comment ça, il me touche quand même? Stan batté. Merde. C'est parce que je t'ai traité Stan batté. Merde. Mais putain. Let's go. Hey yo, Kuma se fait par là. Comment ça va, Kuma? On va t'appeler. J'aime pas ne me pas bien jouer là. Je sais que je peux bien jouer, mais ça m'énerve. Putain. Ça va et toi? Ça va bien. Parce que étrangement, je sais pas. Enfin, je te dirai ça après la cinématique. Très joli comme costume d'ailleurs. Mais sinon, ça va. En vrai, ça va. Ah, Morgoth, enfin. Bonjour. Foley Stannis. We meet. Nous nous rencontrons, son, mon fils. It's a dream. C'est un rêve devenu réalité. De te voir ainsi. Je comprends le mépris de certains. J'ai inventé les marionnettes après tout. Je dois assumer ma responsabilité de créateur. Et pour cela, je dois m'occuper des marionnettes de la mairie. Ça fait bizarre d'entendre, vous savez, la voix de Morgoth, mais d'une voix un peu plus calme et douce et apaisée. Prends ça, ça serait très utile. Alors le mec, il vient littéralement de me donner une fursuit. Merci beaucoup, papa. Au moins, il m'a accepté comme je suis. Tu es une marionnette et un furry. Ce n'est pas grave, je t'accepterai. Je veux tout savoir de tes expériences, mais ce n'est pas le moment. Utilise la clé du rôdeur pour ouvrir la porte du pont, puis débarrasse-toi des marionnettes frénétiques qui sont parées de la mairie. Nous retrouvons à l'hôtel Krat quand tu auras fini. On peut pas y aller maintenant, papa. Ah, bah attendez, on va mettre le costume si je peux. Ah, yes! Bon, voilà, alors. D'ailleurs, les ânes, c'est pas très répandu dans la communauté Fury, alors que pourtant. Ouais, pourtant ça va, ils sont adorables et tout. Et voir à quoi ça ressemble. Oh, en vrai, j'aime bien. J'aime bien à quoi ça ressemble. Là. En vrai, ça va. En vrai, j'aime bien. Là, ça fait un peu trop. Ouais, non, ça lui va que comme ça avec le costume d'âne, donc ça va. Mais sinon, soyons honnêtes, oui, il n'y a pas beaucoup d'âmes, alors que techniquement, les ânes, c'est juste des chevaux, quoi.
un petit peu plus goofy, mais voilà, c'est stylé. Mais bon, le problème, en fait, je pense que le problème avec les OC qui ne sont pas très répandus dans la communauté Fury, c'est pas qu'ils sont moches ou alors je ne sais quoi. Non, non. Je pense que c'est surtout parce que les gens n'ont pas d'inspiration, alors on choisit ne choisissent les mauvais artistes ou alors je ne sais pas. Je pense qu'il y a quelque chose qui fait que malheureusement ça ne marche pas. C'est pour ça que moi, par exemple, je bloque un petit peu avec les OC éléphants. Je trouve foncièrement les OC éléphants très souvent moches, je trouve pas très jolis, pas très. C'est pas regardant, charismatique, tout ça, tout ça. Alors que pourtant, si c'est bien foutu, en vrai, ça passe. Mais bon, ça encore, c'est un autre débat. Alors, c'est parti pour le. À propos de cet outil d'assemblage d'armes dont vous parliez, si vous trouvez d'autres armes, est-ce qu'on les utilise ici? Attends, comment ça? Comment ça? Oh! Let's go, je peux faire des combos! Attendez. Donc, ça. Et donc. Oh! Oh! Attends. Comment ça, mon ref? Wouah! En vrai, c'est stylé! Donc, on peut faire des combos d'armes maintenant! J'aime trop! Let's go, putain! Donc non seulement en fait il y a différents types d'armes mais, et différents types de manches, mais on peut faire des combos avec différents types de manches et d'armes. Mais... Oh, ah ça par contre j'aime bien. C'est très bien foutu pour le coup. Ah putain, on va pouvoir faire une arme de gros bourrin là. Ah là là, ça va faire plaisir de pouvoir démonter des ennemis en quasiment deux coups là. What? Bonjour la waifu. J'ai pas de musique, donnez-moi. Ça a l'air marrant de faire des combos. Oui, effectivement. Surtout que le jeu a l'air. Il y a des costumes. Encore une fois, les costumes, je pense que ça n'apporte rien à part du lore et le visuel. Mais je pense que ouais, les armes, ça va être vraiment très cool. Pour le coup, on va bien s'amuser avec ça. Ça a l'air vachement permissif et tout, donc. On verra. Je ne suis qu'au début du jeu, c'est le premier stream, donc voilà quoi. Donc attendez, tac. Ah, mais pas de légion, mais. Non, y'a que ça. J'adore la musique du hub. Welcome to Hotel Crop. Ok. J'ai pas du peur du tout. Je dis pas que j'ai peur des automates, enfin, comment dire. Je sais pas comment on peut appeler ça. Automatophobe? Robophobe? Je sais pas comment dire ça. Mais c'est vrai que. Ce genre de. Oh, c'est pas une phobie, attention. Je suis pas phobique des automates ou des robots, un truc du genre, mais. C'est vrai que je comprends les gens qui ont quand même peur de ce genre de choses-là. Pas uniquement en termes de visuel. Parce que techniquement, les robots, ça peut être les prédateurs parfaits. Parce qu'ils n'ont aucune émotion autre que que leur ordre qui est dicté. Et en plus de ça, ils n'ont pas la self... Comment on appelle ça? Pas la self-défense, mais vous savez, les êtres humains, en règle générale, nous, les êtres humains, on a cette capacité dans le cerveau, techniquement, oui. De ne pas nous donner à fond, même quand on se donne à fond, en fait. C'est-à-dire que, vrai, on a un self-control de nos muscles, de nos organes, de nos nerfs, de notre corps entier, en fait, pour que quand on fait quelque chose, on évite de se faire mal, en fait. C'est pour ça que les zombies, par exemple, sont effrayants, parce que c'est des humains, non seulement enragés, mais qui, en plus, on n'a rien à foutre de recevoir des coups, des dégâts, de se faire mal ou quoi que ce soit. Parce que les mecs, ils vont jusqu'à s'auto-détruire pour te bouffer et tout, quoi. Et ça, c'est flippant. C'est pour ça que c'est aussi flippant les gens qui sont dans une colère noire et qui tabassent les gens à mort parce que... revanche, par exemple, ou je sais pas quoi. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que les automates sont flippants. Parce que leur force est délimitée, mais ils sont à fond, quoi. Histoire de ne pas se casser le corps, exactement. The Stalkers. On va parler je sais. Qu'est-ce que je peux t'acheter, mon pote? Que dalle. T'as que dalle, connard. Stockage. Catalyseur. Ah, non, c'est. Non. On va éviter. Et attends, quoi? Mais attends, mais il est où le. Mais il est pas mort, le mec que j'ai tué là? Bah, c'est con à dire en plus, hein, mais. Non. Donc là, l'argot du chef défilé, attends.
un chasseur de trésors pourrait être intéressé par cette ergot rare. Donc à mon avis, ouais, il va y avoir un ornifex, un truc du genre, qui va nous donner les armes des boss, ça c'est bien. C'est pas ce que je voulais faire. Ouais. Bonjour. Je vais utiliser mon pouvoir pour vous aider. Je ne jugerai pas votre costume, mon cher. Soyez heureux comme vous êtes. On a rien à foutre. C'est votre vie. Tant que vous tuez les autres automates, tout va bien. Allez, Mairie de Crate, je le sens mal. Je le sens très mal, mais c'est parti. Quoique, attends, il est quelle heure? Il est 19... Putain, 19h25 déjà. Vous êtes... J'hésite. Parce que... Ouais, il est 19h25, on est à... Ah non, on n'est pas à 3h de stream. Allez, on avance jusqu'au prochain Stargazer. Ok. Comme ça, en plus, on va tester notre nouvelle arme. Pour l'instant, ça change pas. Jusqu'ici, tout va bien. Quoi? J'ai entendu un bruit, j'ai pas aimé. C'est pas bien grave. Ah putain, il y a des épéistes là, j'aime pas ça. Oh oh, toi par contre, je t'aime bien. Non! Let's go. Donne-moi ton stuff. Attendez, est-ce que je peux le... Allez. Non. Let's go. Ça fait du bien. Non, t'es mort. Merci. Merde. Non, pas le chien. Ah. Attendez, je régène. Ah, il est là. Oh non. Non, mais arrête. Connard. Stargazer. Stargazer. Non, mais pas non plus la façon dont tu viens de l'entendre. Dis donc, c'est un peu sus ton jeu. Stargazer, en vrai je sais même pas ce que c'est dans l'univers de... Bah cet univers là en fait, Stargazer. Peut-être qu'en vrai le pouvoir de l'ergo c'est le pouvoir des étoiles, un truc du genre. À voir. Oh merde. Allez, un seul par... Allez. Parfait. Les os pas des os. Ah ça te... ça vous... Ah ça par contre ça one shot les robots, ça par contre j'aime bien. Genre... Ah oui, ça les one-shot. Ça fait plaisir. Stargazer, je sais pas en vrai ce que c'est. Bah... En vrai, non. C'est bizarre. Après, de toute façon, plus on va avancer dans le jeu, plus on apprendra des... De comment... Hein? Comment ça, mon ref? Oh, what the f... What? Attends. Mais c'est quoi cette merde? Il y a un logo d'œil et tout, mais... Waouh! C'est dégueulasse! Ça vient des étoiles! Je sais pas, je comprends pas. C'est dégueulasse. Je pense qu'on va tomber sur des trucs bien dégueulasses. Hein. On n'est pas prêt. Hashtag. Bonjour. Des méchants. Oh putain, d'accord. Toi, je te connais. Normalement, ça devrait passer. Prends ça quand même. Aïe, aïe, aïe. J'ai pas fait exprès. Let's go. Attends. Ah! Let's go! Ouais, c'est... Il y a un petit côté Bloodborne, vous savez. Encore une fois, alors... Putain, j'ai pas envie de dire que ça fait un côté Bloodborne parce que... dans Bloodborne, il y a un truc cosmique, je sais pas quoi, chelou et tout, avec des tentacules, je sais pas quoi. Attends, tout le monde est mort dans toute la ville, connard. Il y a rien de surprenant de voir un charnier.
baby puppet. Attends, quoi? Comment ça, baby puppet? Hein? Attends, quoi? Bon, attends. Baby puppet? Oh, attends, j'ai ramassé quoi? Non, mais racontez pas faire parce que sinon je vous éclate la gueule. Comment ça, baby puppet? Quoi? Attendez, attendez, attendez. Mario. Oh! D'accord. Ah! Une marionnette abandonnée recouverte de blessures, elle a été abandonnée dans le jardin de la mairie. Oh, oh putain, c'est bâtard. En gros, on va donner la marionnette de bébé cassée à la meuf qui est aveugle à cause de la maladie. Et elle va croire que c'est son gosse. Oh merde. Bon bah c'est parti. C'est une sorte de Dark Souls dans l'univers de Mecha, le jeu. En fait, c'est un Dark Souls dans l'univers de Pinocchio. Dans un univers de renaissance et de machine et tout. Non, pas de renaissance, quel con de... Bah dans l'univers de Bloodborne, quoi. C'est Bloodborne Pinocchio. Voilà. Je sais pas comment en dire plus. C'est un peu bizarre, mais bon. Mais c'est bien foutu pour le coup. Ah. En gros, imagine que c'est un... Ah. J'allais dire un Bioshock Infinite, mais par terre, quoi. Pas dans les nuages, juste par terre, quoi. C'est... Mais on verra. J'espère que la meuf, elle va nous donner un bon stuff. Elle va nous donner un bon stuff, hein, c'est bon. Parfait. Merveilleux. Ouais, c'est un mélange. Ouais. Et c'est un mélange qui est logique en plus, hein, parce que... Enfin, merde. Il me semble que Pinocchio, c'est dans cette période-là, justement, un peu steampunk, un peu l'époque des inventions et tout. Il me semble, hein, il me semble. Quoique, en vrai, je ne sais pas. Parce qu'il me semble que Pinocchio, c'était un petit peu plus européen que ça. Mais je pense que c'était quand même une période où, tu sais, il y avait les... on appelle ça comment? Les arnaqueurs, là, qui vendent des potions en te faisant croire que ça fonctionne et tout. Ils sont sur une charrette et tout, donc... Ouais. Ouais, je pense. Mais oui, très bon mélange, sinon. Et comme je l'ai dit, j'aime bien le visuel de ce jeu, parce que pour l'instant, de ce que je vois, c'est... Comment dire? C'est pas chiant. C'est pas chiant à regarder, c'est très intéressant. T'as beaucoup de personnalité en fait là-dedans en fait. Même si ça vole pas si haut que ça, même si évidemment tout n'est pas si grandiose, je pense que même si ça reste terre à terre, il maîtrise bien le terre à terre, donc du coup c'est cool. Vous l'avez trouvé. Ma douce Elena, laissez-moi la serrer dans mes bras. Il m'a tellement manqué. N'est-elle pas adorable? Ce bébé est très mignon. Vous avez exaucé mon X, ma douce Elena. Nous allons être heureuses. Merci. Ouais. Oh, j'ai de la musique. J'ai de la musique. Attends, vous pouvez écouter les disques obtenus lors de votre aventure en utilisant le gramophone de l'hôtel. Les écouter. Vous octroie de l'humanité. Comment ça, mon ref? Eh, hey, Pinocchio, il aime bien la musique. Pinocchio, il aime bien de dessiner. Il aime bien étudier en écoutant de la musique. Pinocchio, c'est un bon gars. Ah, par contre, ça a un peu chié avec l'autre. Mais... C'est gênant. C'est gênant. Il me voit pas. Il me voit pas. Tu ne me vois pas. Tu ne me vois pas comme dans Fugal le DLC. Non! C'est de la triche! Allez là! Merde. Ah putain! Quel amateur je suis! Ah! Non! Non! Let's go! Culé! Non! Non!
Let's go. Oh. Peut-être de m'attaquer de la police de Krat, d'accord. Et en plus, ça débloque une nouvelle arme. Let's go. Ah. Je suis dans la merde. Je suis dans la merde la plus totale. Oh merde. Oh shit. Zone de quarantaine. Oh merde. Oh merde. J'ai 2400. Ah, il va falloir que je cours. Attends, je vais tuer le chien. Let's go. Merde, 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 merde. Non, non, non. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Oust, du palais. Courage, bah oui, mais ça, tout va bien se passer. Je suis un professionnel. Regarde-moi ce plan. Regarde-moi ce plan. N'est-il pas beau, ce jeu, putain? Encore une fois, je pense que... Pour l'instant, l'Eye of Peace rapproche vraiment plus... du standard de qualité de ce que devrait être un Souls-like pour le coup. Il y avait un éclair là. Ça, pour moi, pour l'instant, c'est ça. Parce que, vraiment, je vous avoue, hein, de ce que j'ai vu de. Merde, il s'appelle comment? Ça y est, je me rappelle même plus du. C'est Lord of the Fallen. Lord of the Fallen, c'est trop le jeu, tu vois, qui veut être Dark Souls 3. En mode Unreal Engine, tu vois, en mode regardez, vous avez vu trop les effets incroyables, vous avez vu comment on est épique, vous avez vu comment c'est trop bien foutu, vous avez vu comment c'est trop beau et tout, mais il n'y a aucune personnalité, il n'y a rien en fait. Ça raconte des choses, je suis sûr que le lore est très bien, mais. Comment dire? Bah, c'est tout quoi, c'est beau, mais sans plus quoi. Ça améliore juste la formule du premier Lord of the Fallen. Mais de ce que j'ai vu, les combats sont chiants. Les combats de boss n'ont rien d'incroyable en fait. Il y a quelques. Allez, je peux être méchant, mais il y a certains boss qui sont quand même bien foutus. Je suis d'accord. Mais je sais pas, c'est juste un bon Souls-like, on va dire. C'est tout. Mais alors que l'Eye of P, c'est se rapproche beaucoup plus vraiment d'un bon gros Souls-like. Vraiment quelque chose qu'on attend d'un Souls-like. De quelque chose d'un petit peu plus réussi, même s'il est un peu rigide, on va pas se le cacher. Mais voilà quoi. Donc attendez, on va écouter les musiques. Attention. This is the triumph. Tan-tan-tan, tan-tan, tan-tan. Close your eyes. Come to me. Feel alright. What? Ah oui, d'accord, ils sont éclatés là. Elle est trop. Waouh! Mais elle est belle la musique! Là, j'imagine. J'imagine Pinocchio en mode Blade Runner 2049, tu vois. Pinocchio il se balade sous la pluie et tout, il voit une hologramme. Are you feeling love, lonely? Quoi? Wow. Attends, quoi? Mais ils sont donnés à fond! Je pense que c'est des musiques. Alors, je suis pas fan de ce genre de musique, mais putain, étrangement, il est trop bien celui-là! Mazette! Ah, ils sont fait chier quoi pour le coup, parce que c'est pas une musique que t'entends en plus dans le jeu. C'est vraiment une musique que. Une musique que tu débloques en fait, littéralement. Le jeu te récompense avec des musiques qui ne sont pas dans le jeu. C'est incroyable! Allez, ta gueule, c'est bon. On écoutera les autres et tout, mais putain, ça par contre, je trouve que c'est un truc incroyable pour le coup. Ils sont vraiment fait chier. C'est incroyable. Perso, je m'y connais pas en jeu vidéo, donc je sais pas quoi attendre d'un Souls-like. Oh, pff. Univers unique et intéressant. Map pas forcément extrêmement détaillée, mais ils le font très bien. C'est-à-dire que en vrai, genre comment dire ça? Ils travaillent plus le visuel. Que ce que représente le visuel que plutôt le visuel en lui-même.
Ils travaillent plus voilà, sur la représentation que sur ce que c'est vraiment. Et genre, quand tu regardes... merde. Tellement insignifiant ce jeu que je m'en rappelle. Lord of the Fallen, bah t'as plus l'impression que c'est que les décors, c'est plus en mode « Ouais, t'as vu comment c'est trop stylé, épique, impressionnant et tout. » T'as plus l'impression de voir, tu vois, du Arch Station, tu vois, des images sur Internet et tout. En gros, tu tapes « Epic Medieval Level Design » et tout, et puis basta. Ça manque de quelque chose, je trouve. Alors que là, pour l'instant, putain... là, je veux dire, le hub, il est plutôt classique, mais il fait bien le café et tout. Je suis là. Enfin, voilà, après, c'est mon avis. Je ne dis pas que c'est... Voilà. Genre, Dark Souls, par exemple, le premier Dark Souls, c'est pas une bête de graphisme, hein, c'est pas une bête de quoi que ce soit. Mais... Oh, putain. Mais c'est, ça fait bien le boulot, quoi. Attends. Défense absolue. Attends, je peux le faire ? En vrai, c'est intéressant. Ah, mais non, mais du coup, ça garde une seule arme, d'accord. Le but, je m'attrape. C'est pour ça que j'aime bien les jeux qui sont simples, mais qui sont très bons dans leur simplicité. Genre, je pense que vous connaissez par exemple Half-Life 2, par exemple. Half-Life 2, c'est un jeu qui est extrêmement simple, hein, pour le coup. Half-Life 2, c'est vraiment le jeu, en fait, c'est juste les villes du pays de l'Est, et un petit peu propagandesque et tout, mais à peine exagéré, en fait, avec un soupçon de brutalisme un petit peu plus gros, si je puis dire. Let's go! Ah merde! Mais voilà, c'est simple, mais tu reconnais tellement le jeu. Et c'est pour ça, au fait, que même Half-Life tout court fonctionne autant, en fait. Déjà sur quasiment tous les PC. Mais en plus de ça, tu reconnais tellement quasiment chaque plan du jeu, en fait. Ça, quand tu as fini le jeu et que tu y rejoues, t'es en mode ah, mais oui, il y a ça, ah, mais oui, il y a ça et tout. Et même si tu y rejoues pas et qu'on te remonte une photo, t'es en mode ah, mais je reconnais ce jeu. Donc voilà quoi, c'est tout. C'est pour ça que j'aime pas l'esthétisme. Voilà, l'esthétisme, pardon. L'esthétisme de Lord of the Fallen. Ça veut trop en faire. Sans pour autant raconter quelque chose. Ouais, let's go. Bref, c'était le gros casse-couille qui parle de jeux vidéo et qui se plaint à chaque fois. Et encore. Je pense que si je joue à Lord of the Fallen, je pense que vous m'entendrez très souvent râler pour le coup. Allez. Ah merde, putain, c'est vrai que ça me ramène ici, mais ça va aller, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Je suis un âme. Non, allume l'aide de vie, tout va bien. Hop. 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 Bon, y a rien de nouveau par ici. Rien de nouveau par là non plus. Le costume, est-ce que j'enlève la tête? Mais non, mais... Ah! Non, on remet l'âne, voilà. Mais non! Ah, voilà. Mais non! Let's go. En fout, d'accord, let's go. Faut que je fasse attention au shing. Let's go! Ah, mais ça les touche en plus eux-mêmes! Merde. Let's go. On se démerde mieux pour le coup. Et comme je l'ai dit, on s'avance au prochain Stargazer et ensuite on arrête. Et oui, frère, j'ai une meilleure portée que d'habitude. Et oui, Jamy. Oh! Let's go! Ah, connard! Parfait. Ah, aïe, aïe, aïe! Pas fait exprès, monsieur le flic! Par contre, c'est cool que j'ai un peu plus de fiole pour le coup. Ouah! Ouah!
Ah putain, c'est stylé le fait de pouvoir démonter les épées des adversaires. Donc ça se brise. J'aime bien ce genre de détail. J'aime moins ce mec en face, donc on va pas le déranger. Quoi. Nouvelle de Krat. Attendez, il y a du lore. L'ambition de Monsieur Verdi... Venini... Monsieur Bengi... Venini... C'est un Italien, hein. Les Italiens ils ont toujours des noms casse-couilles par moment. Souhaitant fabriquer une marionnette pour servir de masque de police jovial à la Berry, s'est soldé par un échec. Son désir de fabriquer un ami fiable pour les citoyens et assez musclé pour appréhender les crimes, elle était justifiée, mais il s'est relevé excessif. La batterie du nouveau policier est entrée en surcharge, provoquant des explosions en chaîne, des défaillances et de sévères lésions corporelles. Let's go. Très jovial, hein, très jovial. Le conseil municipal a alors recommandé de se débarrasser de la marionnette, élégant entre autres que son apparence intimidait les visiteurs. Mais... Hein ? Ah, c'est le boss qu'on va affronter, je pense. Mais monsieur Venini... et les contribuables ont protesté ce point. C'est le projet du conseil. À ce jour, la marionnette est toujours abandonnée derrière l'hôtel de ville, tandis que le procès suit son cours. On va l'affronter. Ce qui est intéressant, c'est que même abandonnée elle-même, la marionnette continue à remplir certains de ses rôles de mascotte. Elle est spécialement populaire auprès des plus jeunes et semble même réagir et répondre aux jeux des enfants. Cependant, à cause de cela, de plus en plus d'enfants dans les bas quartiers sont entrés dans la mairie au grand désagrément des visiteurs. Parce qu'ils sont pauvres, évidemment, on le sait. Le conseil municipal envisage d'exposer la marionnette de manière occasionnelle, afin d'en restreindre l'accès. Ah ! Je pense qu'à mon avis, c'est le gros clown, puisqu'il est jovial. C'est le gros clown qu'on l'a vu, là, il n'y a pas longtemps. Oh oh. Oh oh. Donnez-moi le Stargazer, là. Please. Oh oh. Attendez. Ouais, je pense que c'est bon. Voilà. Allez, donne-moi du bon stuff. Amulette de destructeur de marionnettes. Bah, let's go. Augmente les dégâts affichés de marionnettes. Bah, double let's go. Frère. Ça fait plaisir, ça. Utilisez un fragment de météorite devant l'appel de la faille aux côtés de la zone de... Boss pour invoquer un... On est déjà un autre boss. Votre personnage avant le combat de boss. Ok. Comment ça? Bah attendez, on va voir ce que ça vaut. Ouah, mais attends, mais on va pouvoir commencer déjà à affronter un boss, ça c'est cool. Mais pas de Stargazer. Genre vraiment? Oh, on va devoir se taper une roue, la route et tout là. Ah merde. Ah oui, d'accord, donc no fun aloft pour le coup. Non, mais vraiment, y'a rien. Bon ben, c'est parti. Je le sens mal. Oh là. Y'a de l'électricité dans l'air. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu ça. What? D'où est-ce qu'il est jovial? Mais putain, mais les gosses sont cons. Ah non, mais... Il a les yeux rouges, un air menaçant, un côté très bestial, mais il est très jovial. Quoi? Frère! C'est ça que j'affronte. C'est un petit parce qu'ils mettent le nom du OST. D'accord. Aïe. Faut pas qu'il y ait... D'accord, faut que je tourne autour de lui. Oh, il a un truc au cul. Aïe. D'accord, il a un truc au cul. C'est ça qu'il faut que j'attaque. J'adore ce boss, j'adore ses mouvements. Aïe. Mais il va se calmer, Blanca. Retourne à Street Fighter. L'OST
Voilà, voilà. Merde. Oh. Je pense que j'aurais pas dû prendre un spectre parce que là c'est limite de la triche. Oh, let's go. Non, 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 non. C'est un Kirin. C'est un Kirin maintenant. L'OST. 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 Je vous l'aurais appliqué. Wouah. 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 Mais quoi? Quoi? Comment ça? Alors, ça me casse les couilles parce que j'ai utilisé un spectre. J'admets que j'aurais pas dû faire ça. Mais wouah. Le boss, il est incroyable. C'est quoi cette qualité? Oh. Deux secondes. L'OST est incroyable. L'OST est génial. Le mouvement du boss, il est sous-loup mais trop bien maîtrisé. J'adore ce boss. Oh. Ah, j'ai des frissons partout. Oh. Siffler des frissons. Ah merde. Oh merde, il va falloir que je passe au gosse. Oh bordel. Ah, j'ai la tête qui tourne. Ah ma zette. Alors, le chemin, il est long, j'admets, mais ce boss, il est incroyable. Oh, mais... Ah non, mais... J'ai envie de faire un fanart, c'est obligé. Ah, mais c'est le boss est bon dans quasiment tout. Hein. Le design, le lore, ça va. Le sound design est incroyable. Alors, l'arène est classique en soi, mais je veux dire, si on était dans un certain Lord of the Fallen, t'auras des drapeaux partout, il y aura du bordel partout, mais la simplicité, souvent, ça vaut mieux que le trop-plein. Oh putain de merde, quel jeu incroyable. Là, pour l'instant, les boss, c'est du pointé, mais partout, quoi. C'est parfait partout, quoi. C'est incroyable. Et j'ai pas eu le temps d'écouter toutes les OST, c'est ça le problème. Attends. Oh non, j'ai pas l'OST du boss. Oh. Bon, bah, c'est pas bien grave. GG, merci. T'as récupéré une énergie de très puissante et bien mieux. Et si vous récupérez un bras légion avec, d'accord. Ok, fulminé. Fil de marionnette, d'accord. Fulminis, d'accord. Un bras de légion avec un grand pouvoir électrique. Il accumule une décharge électrique pour ensuite infliger un choc électrique. Oh, ça j'aime bien. Oh, j'adore son design. Let's go. On va le prendre. Même si le fil peut être très pratique pour approcher les ennemis et tout, mais c'est pas bien grave. Alors, attendez, est-ce que je peux améliorer quoi que ce soit? Altérer la poignée. Je ne peux rien faire là-dessus, putain. Ah! Gepetto? Papa? Papa? Il est où le papounet, là? Bonjour. Il est en train de boire le thé, là? Non mais Gepetto, frère. Et il est où le papoune là? Il a dit qu'il était parti à l'hôtel là. Ou alors je suis sûr qu'il est parti chercher, je sais pas, une bouteille de lait encore une fois. Oh Pinocchio, ça fait plaisir de te voir. Merci de m'avoir sauvé. Hein. On se revoit à l'hôtel, hein. T'inquiète pas, j'ai juste un petit truc à acheter, tu vois, c'est... Pas grand chose, mais je reviendrai très vite, promis. Le mec qui va faire un cameo à la fin du jeu. Ah non. Ah mais vas-y, monsieur, je permets des choses. Ah mais vas-y. Le mec, il a foutu la merde dans partout en ville, mais ça va, il a un bureau très stylé. Bon bah c'est parti, papa. Ah, tu es revenu. Pardonne ton père sentimental de s'inquiéter pour son fils. N'oublie jamais à quel point tu m'es précieux, même lorsque je te demande de faire une chose dangereuse.
Quel nom de père devrait faire ça, putain? À ce propos, il y a une usine derrière le boulevard de l'Illusion. Elle est remplie de marionnettes. Mon ami, l'inventeur Benigni, est parmi les tentés d'arrêter. Mais déjà, il est revenu, je t'en prie. D'accord. Allô? Oui? L'organe puis et la source de ton pouvoir. Récupère du quartz afin de le renforcer. Très stylé. Disons que si tu reçois un coup de couteau en plein cœur, pour le coup, tu regardes l'agresseur un petit peu dubitatif en mode frère. Frère, je suis une marionnette. Remember, hôtel et les derniers ceux, d'accord. Surtout si j'ai l'odeur d'alchimiste, mais plutôt des gens dangereux, sois toujours un gentil garçon pour moi. Yay! Ok, donc du coup. Ah! Phase 1. Ah! Oh! D'accord, attends. Esquive lié. Permis notre esquive au milieu d'un mouvement d'esquive. J'ai rien compris. Accumulateur de pulsations augmenté. Augmente le nombre maximal d'utilisation de l'accumulateur de pulsations. Intéressant. Durée d'opportunité de suivi d'action. Oh! Je sais pas. Attaque. Hein? Renforce l'attaque de stupéfaction des attaques chargées. Comment ça? Hein? Durée de stupéfaction. Hein? Ça pourrait être pratique. Let's go. Ah, d'accord. Donc du coup, d'accord. Moi je vais te laisser, je dois aller manger, bah moi aussi. Bah voilà les gens, c'était tout. Ça s'est passé relativement merveilleusement bien. Le jeu est incroyable et tout. On va continuer ça d'ici quelques jours, le temps que je fasse une miniature pour le prochain annonce de stream. Merci en tout cas d'avoir regardé le stream et la VOD, merci d'être venu. Ça fait bizarre d'avoir des gens qui sont venus dans mon stream pour le coup. D'habitude il y a personne, mais là il y a eu du monde, donc merci sincèrement, ça fait plaisir. Ça met du baume à mon kokoro. Allez, la bise et à très bientôt.